En direct de la grise Avenue Laurier à Montréal, diffusé sur les ondes du 91.9 au 100.9 à Québec et au 96.5 à Gatineau. Nous sommes maintenant disponibles en format YouTube, en format vidéo, excusez, sur la page YouTube de BPM Sport. Bienvenue tout le monde à une autre édition de Vanout en direct. Maxime Vanout avec vous pour les deux prochaines heures jusqu'à l'arrivée de Larac Gonzalez. Il est 10h02 minutes. Et le Canadien s'est incliné 2 à 1 face au Boston hier. Pas le match de l'année. voyons Pas le match de l'année entre le Canadien et le Boston. Euh, J'y étais par contre. C'était bien. Il y avait trop de fans du Boston à mon goût euh, hier dans le centre Bell, On y reviendra dans un instant. À venir dans la prochaine heure, dans la machine à café à 11h. Among Us, un intrus sera parmi nous. Hugo Reich et Fix Anthony Désourny auront un vrai débat sportif. Mais un d'entre eux. Ne défendra pas ses réelles positions. 10h40, Sid Fowo, CF Montréal contre Fire de Chicago. Demain après-midi, 14h sur les ondes de BPM, de BPM Sport avant match de 13h30. Une réelle opportunité pour le CF Montréal. Un verdict nul demain. Montréal est assuré au pire. Donc, mettons-le. Mettons que demain, Montréal fait nul perd tous ses matchs d'ici tu sais, la fin de l'année, c'est sa la route la même fiche que l'année d'avant. C'est sensationnel. Le, la saison 2023, deux victoires, deux nuls, ça route. Le demain, tu fais nul contre Chicago, deux victoires, deux nuls en 4 matchs pour partir à la saison. Évidemment, tout n'est pas joué, mais... On va en parler avec cette fois à 10-40, mais... En tout cas, je vais demander, puis moi j'ai le droit de penser ça, tant que les joueurs pensent pas ça, c'est correct. C'est pas mal le club le plus probable des, des quatre à date Chicago alors, euh, voilà, t'as as, as, as le droit d'espérer de, aller chercher une autre victoire, carrément, pas rien qu'un nul, je parle d'un nul, mais finalement, une victoire. Et euh, bien sûr, on va parler de tout ce qui s'est passé hier, monde du sport, mais avant, d'abord, avant tout, Éloi Jonf, comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va très bien. Nice. Très très bien. As-tu vu la suite du dossier du bobblehead de Yaromain Yagar Vous en parliez un peu euh, hors, euh, hors d'onde, là, dans... Je suis dans le quartier général, mais non, je n'ai pas trop suivi. Je suis mon gars confus. Ça n'a pas de mais bon ça. Imagine-moi. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, hier, on en a parlé, parce que c'est comme arrivé euh, cinq minutes avant que l'émission commence. Là. Hier, les pingouins de Pittsburgh publient un communiqué officiel, toute la vraie patente pour dire, parce qu'il devait y avoir hier à Pittsburgh une soirée «bubblehead» de Yaroni Jagr. Il y en a une pour Monty là, récemment à Montréal. Bon, un «bubblehead», bo ça, il y en a partout, là, des soirées «bubblehead». Il y en a un de Sam Piette. Où il y en a eu ou il en tout cas c'est le premier match du CFA. c'est ça tu sais fait que de ça tout le temps des bobbleheads puis un communiqué pour dire que les 18 000 bobbleheads ont été volés on parle de ça c'est quand même comique great fait une joke avec ça sur Twitter excellent joke d'ailleurs ça prend là 10 000 bobbleheads faut t'arrives pas à voler ça dans un sac à dos c'est 20 000 parce que c'est 18 000 c'est même plus proche du 20 000 ah oui c'est quelque chose là c'est oui effectivement c'est t'as <laughs> tu sais, je peux pas être subtil avec ça dans mon catennemis, là. Sais-tu. Sais-tu ce que j'ai imaginé quand t'as dit ça? Quoi? Parce qu'effectivement je vais être honnête avec toi, là. T'as raison, j'y avais pas pensé. Mais ça prend quelqu'un qui... qui... qui a du... Ça prend un voleur qui a un peu d'expérience, ou une que... voleuse. Sais-tu ce que j'imagine? Non. Le premier rapide est dangereux. Le clou du film, le 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 Pas le dénouement là, juste avant, là. Le... Le climax. Le climax, c'est ça, je voulais le dire en français, là puis on dirait que mon... Euh, ah, climax. Pas l'apogée, mais... Pas mal, c'est pas l'apogée? C'est pas l'apogée. C'est quoi déjà? Le climax. Carlin. Ça ne dit pas en français climax, c'est non, 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 c'est pas climax en français. Quelqu'un aidez nous ça message texte s'il vous plaît. Là, ça n'a pas de bon sens que mon père, notre français, à matin, elle loin, j'en viens et pas. Euh... Moi, on m'a crédité les premières uniformes de français au cégep donc j'ai une raison. Ah, il okay. y, y a le... Ah! Pas, le dénou... pas la culmination. Le paroxysme. Non, on c'est pas le paroxysme. Non, c'est pas le dénouement. Le dénouement, c'est après non, le climax. Ouais. Alors, on, est donc... on est tous pas bons aujourd'hui. Ça n'a vraiment pas de bon sens. C'est le climax. Non, non. OK. là, là. Euh, Tout le monde nous dit... Il euh, y a quelques comiques sur euh, la messagerie texte qui nous dit que c'est l'orgasme. Il n'est pas question oh. d'orgasme ici. Ça serait point culminant. Le point culminant. paroxysme. Ah, le sommet! Mais... Moi, il ben me, me semble que moi, il l'apprenait la à un moment, en tout cas, point culminant. Et non, c'est pas l'élément déclencheur et tout ça. Là. Bref, tout ça pour dire que le point culminant du premier rapide est dangereux. Gradation, ouais. Parce que, que tu l'as du... déjà vu, tu t'étais un peu jeune. Mais... Oui, j'ai écouté les. La scène où ils volent les camions. Ouais. Imagine exactement la même scène, tout le monde leurs autos, ils <laughs> passent en dessous des trucks. Mais c'est pas. Euh, tout le monde pour, euh... chauve et en camisole. Ouais, c'est pas. Il ben, y a juste Dom Toretto qui est chauve et en camisole. Ouais, mais quand tu penses à rapide et dangereux, tu, tu penses, penses à, à Dom chauve en camisole. Ben, même si Paul Walker, j'ai oh, tout mon respect c'était un acteur de fou. Rip. Oui, Rip. C'est un des premiers décès d'acteurs dont je me souviens bien, ça. Ah ouais. Ouais mais c Vin Diesel là, et je trouve qu'il bah ben, c'est parce que Asper... la vedette ah, ben oui mais même en... dans les premiers je trouvais ah bah ben oui mais c'était lui le... ben, exact puis après ça c'est qu'il y a eu The Rock fait qu'effectivement tu, 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 tu doubles le gros bonhomme en camisole euh, ouais. et chauve bref tout ça pour dire que je, là j'imagine exactement la, la, la scène moi, de rapide et dangereux mais ils vole des bubble heads. mais là l'affaire c'est que ça ça arrive. ça reste là début d'après midi les pingouins publient une vidéo c'est officielle, bien toute tournée. Tu sais, moi, je t'avais dit, on va appeler Liam Neeson. Oui. Ah non, eux, ils, ont, ils tournent une scène avec Yaromir Jagger. qui a, il prend un de ses bubbleheads, il l'attache dans son auto, puis il s'en va à, à la recherche des bobbleheads perdus. Fait que c'est un stunt. Ma réaction est Oh my god, le qui ils nous ont eu, c'était un stunt. Puis là, je continue toute la journée après que ça se soit publié à avoir des articles sérieux, de médias sérieux qui parlent de oui, ça. t'as suivi ça toi comme si c'était euh, Ben oui! Comme si c'était un point de presse euh, début pandémie. Là. Oui! OK. C'était pas un stunt! Ben voyons. Non, ils ont parce que l'équipe de. Ils ont juste. Ils ont, ils ont, ils ont, ben ils ont, euh... ont embarqué sur l'occasion. Ben non, mais ça, ça s'appelle le saisir le moment. Carpédième saisir le jour. Rip Robin Williams de GOAT. Ça n'a pas de bon. Pis c'est parce que moi, une des raisons pourquoi mon premier instinct était de me dire c'était un poisson d'avril d'avance. C'est que une des raisons pourquoi ça a été si long à retirer le chandail de Jaguer, c'est que depuis des années, il vit en Europe. Oh, puis il joue encore. Il joue beaucoup. Moi j'étais convaincu. Pis là, cette année, l'an passé, ça avait été. Euh, c'était venu... devenu un sujet où il y a eu un peu de pression ces pingouins. Soudainement, de pourquoi le chandail de Jaguer est pas retiré d'ailleurs. Puis là, il avait dit ben son... son horaire, en Europe et tout. Moi, je vais être bien honnête. J'étais convaincu qu'Yaguer, après sa cérémonie de chandail, il est retourné en Europe. Faut croire qu'il était, en... était là à Pittsburgh hier. Ouais. Fait qu'il était dans un parage hier, il était à Pittsburgh. Fait qu'ils ont pris la balle au bon puis ils ont fait une vidéo avec ça. C'est du génie. puis je vais être honnête, par contre, je suis toujours pas certain, moi. Si c'est pas. C'est peut-être encore ouais. un stunt, puis c'est juste bien caché, je... on sait pas. Ouais, honnêtement, je le sais pas. C'est euh... incroyable. C'est sensationnel. Bravo. Un coup de génie. Un coup de génie de la part des Pingouins de Pittsburgh d'avoir pris la balle au bon. Et les pingouins moi, ont battu les pauvres. Euh, même, je pense que les 18 000 Bubblehead n'existent même pas. T'es pas dans la théorie du contrôle, Imagine. Ils en ont fait une, ils ont filmé de quoi avec. Puis, puis on 10... dit on a perdu les 17 000 autres. Avais-tu pensé à ça? Non. Uh -huh. Ça, c'est moi que j'allais dire, j'ai le goût en fin de semaine de faire un reportage de journalisme gonzo et de... Partir à la recherche des Bobbleheads perdus. J'aimerais ça? J'aimerais bien ça. Si quelqu'un met la main sur un des Bobbleheads, je suis acheteur. Ça doit être cher. Je suis prêt à payer le prix. Un bubblehead. Tu es un collectionneur, toi? <laughs> pas du tout. Ben je suis tellement pas collectionneur. À part pour les casquettes, là. Ma grand Puis même à ça, je suis pas tant quand collectionneur de casquettes. Mettons sur une échelle de zéro à Gonzo, je ne rends pas collectionneur de casquettes. Sais-tu qu ce que ma grand-mère collectionne? Les timbres. Les timbres. Badass. Et il y a environ un an de ça, nous sommes, ma blonde et moi, chez ma grand-mère. Ma blonde tombe sur la collection de thèmes de ma grand-mère. Et ma, mon beau-père, donc le père de ma blonde, collectionne aussi les thèmes. Donc, ah, ma blonde a une connaissance cool. de base des thèmes, embarque dans une conversation de, de thèmes thème. avec ma grand-mère, et je te jure, j'ai failli pleurer. J'ai jamais vu ma grand-mère aussi heureuse. heureuse, je pense. C'est comme, d'un coup, elle, comme, elle a perdu 35 ans mmh. de vie. Puis, même plus que ça, là, elle a perdu 70 ans de vie. Elle était redevenue une adolescente. Puis, elle était comme, mon doux seigneur, quelqu'un partage mes connaissances de timbre. Puis, elle s'excusait aux cinq minutes. « Je suis désolé, je dois tellement t'achaler. Ma blonde, non. Je te jure, j'étais assis, puis je les regardais, puis j'avais des émotions. Mais moi, je ne suis pas collectionneur. Je suis pas... <laughs> Non, 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 je viens de j'avais une émotion. Ah, ouais, je mais connais mais... pas ça. Ouais, C'est pas, pas que je m'en foutais, si je connais pas ça. Ok, je m'en foutais un peu. Ben voilà. Il y avait un timbre de Martin Broder, par contre. Il y a... Euh, oui. Les timbres, c est, c est, je pense que c'est un des, des objets qui est le plus collectionné. Il y a beaucoup de... Un peu. Moi, mon frère collectionnait la monnaie, fait qu'il y a beaucoup de, de références au, au hockey, pardon. Qu'est-ce que tu collectionnerais si tu collectionnais? Euh, je collectionne pas sérieusement, mais j'ai quelques figurines euh, pop-up, donc un peu bubble-in. Ça, si tu les coup Pop? Ouais. J'ai okay. euh, Rocky, j'avais Nick quasi sans tête d'Harry Potter, j'ai Jackie Robinson... Euh, J'aimerais se collectionner ça Je sais Mettons que j'avais beaucoup de sous Et que je voulais collectionner Qu'est-ce que je collectionnerais Ben les chars Ça a quand même une belle valeur Moi je ah, collectionnerais les chars boy, Les probably. montres beau. Si quelqu'un a une de collection des montres Je trouve ça cool ce que je prends un gars de char Non de moi bon non conseil. plus Mais je revendrais Juste <laughs> <En plus, rire> les collectionner C'est pas des Ben Peut-être hmm. C'est parce qu'on dirait que moi, tous les trucs que j'aurais en tête de collectionner, pas, ça serait pas pour de la valeur. Tu sais, moi, mettons, là, je me ferais faire ah, des répliques non. de masques de hockey pour qu'ils soient affichés dans un beau man cave. Louis Jose de ça, je crois. Ouais, on dirait que ça me sonne une classe. des originales, là, mais oui, il y a beaucoup de masques de hockey. Je, de... je pense que je viens de trouver qu ce que je collectionnerais. Mettons, j'étais riche. Là. Quoi? Les chaussures. Oui, toi, tu ça. Oui, ça, c'est J'aurais bien des jits, ben des chaussures. Ouais. Beaucoup de chaussures. Énormément de chaussures. Ça serait le fun. Je collectionnerais les chaussures. Moi aussi, mais juste des souliers de cheap. Une cinquantaine de paires de Suji. là. Je pensais que t'allais dire des Vans. Des vans, ça va. C'est vraiment plus encore à la. Mais c'est. Ouais, mais je veux dire, mettons une paire de Vans, c'est. J'allais dire, c'est ça, j'ai les pieds. C'est pas voilà. ça, j'ai les pieds partout. Euh, c'est pas, pas cher, là, mettons, comparé à Derrick Jordan, là, des vans. Là. Moi, les nœuds, ils me coûtent 80$, là, ceux que j'achète. Tu vas aux Vans euh, une fois par année, puis tu te ponges deux paires de slip-on, puis une paire de Up, puis c'est réglé. Là. Yes. Voilà. Um, avec tout ça. <laughs> Tellement de fans des Bruins hier au centre Belle. J'étais là Mais... et dès le premier. Le Boston marque son premier but, ok? Puis là, euh, j'étais là avec ma blonde. Puis j'écoute, puis je me dis, est-ce que je suis en train d'entendre? Let's go, Bruins. Puis là, je me mets à porter attention. J'étais très élevé. Et euh, je me mets à porter attention, puis je me dis, aïe aïe, mon estimation de base, là, non, non scientifique, un chandail sur trois est un chandail des Bruins. Hier au centre belle je m'attends à ça des matchs contre les Leafs, puis je sais pas si c'est moi qui avais une belle naïveté, je m'attendais pas à ça d'un match face aux Bruins. Pourquoi pas Pourquoi Ben parce que c'est une belle équipe, c'est une, une belle culture de hockey. C'est une insulte. Ben c'est une rivalité autant que les Bruins euh, que, les, que les Leafs, fait que pourquoi ça t'insulterait chez les Bruins mais pas ah chez Ah non, ça m'insulte aussi chez les Leafs. Okay. Mais ça, j'ai mis à c'est pas pareil. C'est une insulte. Moi, je pense que beaucoup, euh... il y a beaucoup de fans des Browns. À Montréal, dans les environs, au Québec. Avoir... Oui, c'est une rivalité, mais il faut, faut pas penser. Moi, je connais beaucoup plus de fans des Bones que de fans euh, de l'Avalanche, mettons. Mais ben non, mais là, ça, c'est normal. Puis pourtant, l'Avalanche, Pre... c'est une ancienne équipe de Québec. là. Mais euh, ben justement, en fait. Connais-tu beaucoup de fans des Expos qui sont devenus fans des Nationals de Washington Non, mais je connais beaucoup d d des fans. Qui des... Moi, quand je viens de Québec, il y a du monde qui était des fans des Nordiques. Là. Non, mais exactement. Fait... Ah, ben ouais, c'est ouais, ce que que Dans le sens que l'équipe ouais. t'a brisé le cœur. Ça, c'est l'équivalent de rester en amour avec ton ex qui est parti. Euh, non, on pense à autre chose. C'est ça ma vie, Maxime. Non, c'est pas vrai. Ben Roger a carrément arrêté d'écouter à la balle tellement il y a eu le cas brisé par le départ des expos, tu sais. Ouais. Donc, euh, beaucoup de. Ça, je le sais for a fact. Euh, Excusez-moi pour l'anglicisme. Je le sais que plusieurs anciens partisans des Nordiques, lorsque les Nordiques ont quitté. Eux, c'était juste la haine du CH était tellement viscérale. Je le sais parce que j'en connais que c'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Ils se sont dit, maintenant, qui est le plus grand rival du Canadien que je peux prendre pour haïr encore les Canadiens? Les Bruins. Voilà. Donc, il y a un peu de ça derrière la partisanerie des Bruins au Québec. Mais c'est aussi une belle organisation de hockey. Oui. Moi, je trouve aussi qu'ils ont, ont un beau chandail. Ils ont plein de bons joueurs québécois qui ont été très bons avec eux. Donc, je, comp je comprends que, tu sais, Chara euh, Charity je comprends qu'il y a une rivalité. Je mais euh, qu'on soit subjugué, qu'il y ait des fans des Browns au centre belle non, euh, voyons, non. Non, moi je suis insulté. Le Canadien d'habitude est l'équipe qui a tellement de partisans que sur la route ils peuvent quasiment avoir l'air à domicile. Que maintenant la forteresse soit envahie. Ah là, ça, 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 ça j'ai trouvé ça. Euh, non, 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 non. non. C'est pas, pas cool. C'est la première fois où je me suis dit Ouais, ok, là je comprends le monde qu'il faut vraiment que ça presse, que l'équipe redevienne bonne, parce que ça ne peut pas arriver, ça. Là. Ça peut pas arriver au centre Bell te faire battre dans la foule au Centre Bell ça peut pas arriver, pas au Centre Bell que ça arrive en Floride le 24 décembre pour les Panthers parce qu'il y a des Snowbirds qui sont là pour encourager le Canadien, fine au Centre Bell, imagine aller au Yankee Stadium ouais je allé et ça chante Let's go Red Sox hey, si je suis fan des Yankees je vais y... Fâché. Non, non 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 ça, peut pas... ça ne peut pas arriver puis ça m'a vraiment euh, rendu nostalgique du début des années 2010 où il y avait vraiment là, les deux équipes Canadiens Bruins étaient quand même dans des bons moments. Il y avait des rencontres de séries. Puis... C'est C'est pour ça que J'ai hâte à une série Canadiens Bruins. Là. Je t'avoue qu'au final, dans le fond, je dis tout ça, mais je ne suis pas réellement fâché. Là, mais ma, ma conclusion réelle de, mon, de ma sortie au Centre-Belle hier est la suivante J'ai hâte à une série Canadiens Bruins. J'ai vraiment hâte. Parce que hier, soyons honnêtes, le match était un peu plate. Ouais, c'était pas beaucoup de buts, là. Non, même ouais. ben pas. Ancien gardien de but, ici. S'il y a un gars qui apprécie un beau 1-0 duel de gardien, et moi. J'adore. fut un temps où les matchs que je voulais pas rater chaque année, c'était Canadien rangers Pourquoi? Price contre Longquist. Maudit que j'aimais ça. Aux alentours de 2013-14-15, là, je voulais pas rater ça. Mais hier yeah, c'était pas... Je pense que si ma mémoire est bonne, là, les tirs étaient quelque chose comme 10-7 les Bruins en première. C'était rendu 14-13 le CH après deux. Puis 20-20 en fin de troisième. Là, Je te jure, en fin de troisième, le Canadien a bourdonné. Gracieuse, Yoel Armia. Quel match de Yoel Armia hier! Si Yoel Armia n'avait pas le contrat qu'il a, j'espère qu'il aurait plus de respect. Je comprends que plusieurs ils voient son talent puis ils disent ce gars-là pourrait faire tellement plus, mais ouais. c'est une bête d'échec avant ce gars-là. Puis avec Joshua Roy, il y a des petits atomes crochus inattendus. Joshua Roy est particulièrement impressionnant dans la Ligue nationale, en vrai. Je l'avais vu à Laval, mais je ne l'avais pas encore vu en personne avec le Canadien. Très impressionnant. Mais hier, c'était un match plat. Puis malgré tout, en fin de match, c'est comme devenu, devenu un peu piquant. Comme si quelqu'un avait mis un petit peu de tabasco, puis c'est devenu piquant. C'est devenu le fun. Il y a eu un peu de rififi, il y a eu un peu de gants au visage c'était bien j'aimais ça puis là je regardais ça je me suis dit, ah tu sais en ce moment c'est comme sont bons le canadien est pas bon fait que mais quand les, ces deux clubs là sont bons là je vais je être honnête là, pour quelqu'un de ma génération je vous pose la question par texto 514 7900919 là c'est le rival du canadien c'est pas les Leafs parce qu'il y a beaucoup plus d'historique ouais. que j'ai vécu avec les Brooms qu'avec les Maple Leafs de Toronto. et de loin puis c'est le club que, même si je suis maintenant membre des médias, puis tu es capable de faire la part des choses, puis de laisser la partisanerie de côté, c'est le club, le Boston, là, que tu me feras pas dire des belles choses du Boston. Non, jamais. À part leur chandelles. Pas ceux de, de cette année, parce que je trouve qu'ils ont un peu raté là, les chandelles du centenaire, ouais, là, mais leur chandelle régulier. Le genre n'est pas très beau. Puis Le jaune faisait vraiment partie de l'identité des Browns aussi. Là. Lui qui portait hier, par contre, était bien. Je pensais que ça ouais. allait être ça, leur chandail du centenaire. L'autre, là, en or, là, mais non, ça, c'est. Non, c'est là. Mais le chandail régulier des Browns, c'est très beau. Beau chandail. Bref, c'est pour dire que c'est vraiment le club que j'aimais. Jamais le Boston. Sauf Patrice Bergeron. Ben voilà. C'est le seul. Le seul. Parlez-moi pas de Brad Marchand, s'il vous plaît. Ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il n'y a pas oui, mais... de joueur de hockey que j'aille plus que Brad Marchand. Mais je comprends pas pourquoi vous l'avez c'est peut-être parce que justement, as plus de d'expérience de, de, de rivalité que moi, là, mais je trouve. puis mon, mon frère et mon père sont fans du Boston. Ah, ouais, c'est ça l'affaire. Euh, tu, 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 tu couches avec l'ennemi. Ben, je couche pas avec mon frère et mon père. <laughs> là, mais euh, ce que je veux dire, c'est je trouve que tellement d'équipes. Bon, ça y est, tu ris Tu ris de moi. Tu sais, mais Je trouve que on, 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 on en parle beaucoup ces temps-ci. Les Golden Knights, selon moi, plus facile à détester que les Bones. Là, tu parles en général pour n'importe quel fan de hockey. Ouais. Pas si... Euh, ouais, je peux comprendre. Tu si. sais? Je peux comprendre. Les Golden Knights, euh... C'est pas euh, mal tout. T'aimes euh, pas même. B, même à certaines époques moi, ça me. Qui gagne la, la coupe, qui nous fasse perdre en finale, ça. J'admettais que c'est une très très bonne équipe de hockey, mais j'étais forché. Ah ouais. Ouais. Je trouvais que c'était pas juste. un peu comme euh, les Patriots à une certaine époque, dans la NFL, étaient était comme un peu trop forts pour la Ligue. T'aimes pas B, j'avais un peu ce feeling-là. Je comprends. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais les Browns? Non, j'avais pas ça. C'est peut-être justement parce que chez nous, on est fan de ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai n'ai pas été capable d'embarquer dans la haine de Tampa. Moi, en partant, j'embarque pas non plus dans la haine des Chiefs. Je suis pas une personne qui va se mettre à haïr un club parce qu'il est bon. Parce que tout ce que ça prend pour se rendre là, je respecte ça. Puis après mm. ça, tassez-les de là. Soyez certains, meilleur que Mais certaines personnes aussi disent Ah, mettons, les Bones euh, jouent dur, les, les, les Bones peuvent jouer euh, cochon, ouais, C'est les Big Bad Brooms. Ben, Philadelphie peut faire la même chose. Euh, ouais, c'est dans l'identité de l'équipe. C'est dans l'identité de l'équipe, puis c'est pas la seule équipe qui va jouer de même. Puis le hockey, c'est pas un sport. Euh, c'est pas du soccer, c'est pas du cricket. C'est euh, oui. un sport physique. Exact. C'est un sport physique. Lime Boston. Sauf Eloi. Ouais. C'est sûr que je ne mets pas tout le monde d'accord, là, mais. Mets... Non, moi, j'avoue que, je, que je, ça ne me, m'insulte pas qu'il y ait des fans de, de Boston. Ouais t'aurais pas dû euh, parler du Lightning parce que là, le monde euh, ben sont, oui, partis sur 2000... sont repartis sur 2021. Ah, okay. euh, C'était comment... des fans du Lightning qui me disaient. Yeah, yeah. Non, 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 au contraire. C'est des fans du Canadien qui sont ouais, là. Ouais. On aurait dû gagner en 2021 s'il n'y avait pas euh, masse salariale ici et ça ouais. et tout ce que vous voulez. On va s'arrêter quelques instants dans Vanout en direct. Au retour, on revient sur la soirée d'hier dans la Ligue nationale de Hockey avec La Minute LNH. Merci d'être là, tout le monde. Norma Marino! On est de retour dans Vanout en direct. On est avec vous jusqu'à midi. Eloi, il y a des choses dans la vie qui vont vite. Et personnellement, mm -hmm. pas plus tard que la semaine dernière, j'avais abdiqué toute possible course aux séries dans la LNH. J'avais abdiqué. Euh, la seule petite bataille pour les séries qui' allait avoir pour moi, c'était les insulaires, les Islanders de New York allait venir tasser soit les Red Wings ou les Flyers. Je pensais que ça allait être les Flyers. Pour le moment, ce sont les Red Wings qui ont décidé que c'était terminé, plus capable de gagner. T'es faite contre le coyote hier. Les Red Wings, hein. t'es défaites. Mais de as tu fait. vis ces deux joueurs qui sont battus en pratique là, ça pas. Euh... Moi, je pensais. Puis d'ailleurs, euh... je pense pas que c'est une ambiance de, dans le vestiaire qui doit être le fun. Là, non, sûrement. mais souvent ça, ça crée un abcès Ouais, c'est vrai. En plus, ils sont pas battus là, ils sont plus que battus. Là. Les gars n'ont pas été euh, droppés oh, non 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 ils sont chamariades. Bas... Non, non une petite chamoyade une, petite chamoyade, une, petite chamoyade, là, une petite oui, chamoyade mais on se bat ici en euh... mettant petit George là puis je, je suis pas une ambiance de travail euh... qui est... qui est... Ben non mais il y, a... cool. y a moins de contexte où ça peut mener à ça dans une... un contexte non, de travail non mais bref moi souvent ça je pense que ça crève un abcès hier j'étais convaincu que ça allait crever l'abcès puis tu sais d'ailleurs euh, hier Lucas Raymond euh, qui était un de ceux impliqués dans la chamoyade s'est fait s'est fait qui qui est venu à sa rescousse ben Charrett, le gars qui, avec qui il s'est chamoyé. C'est comme des t'sais, frères. C'est exactement ça. C'est comme des frères. Moi, je suis tout le temps drôle de voir les images, là, mais. Jamais je fais un grand plat avec une chamoyade. En... À part si, t'sais, ça a l'air d'être. mettons, Caïvo Ribeiro. C'était. il y avait Anguille-Souroche, mettons. Ça a été pas mal prouvé d'ailleurs par après. Bref. Euh... Que se passe-t-il avec les Red Wings de Détroit? Sept défaites de suite après six victoires. Ouais. Et là. En plus de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Le Buffalo! Les sabres de Buffalo, 6 victoires à leurs 10 derniers matchs, présentement sur une séquence de 3 victoires, sont soudainement à 3 points des Highlanders de New York et d'une place en série. Et honnêtement, avec Uko Pekka Lukonen, qui est en train, peut-être un petit peu, pas autant que, mais honnêtement, presque, en train d'être la version 2024 de Jordan Bennington. Je, je peux pas croire que je dis ça. Non seulement on a une course en, aux séries dans l'Est, mais Eloi, attache ta tue avec de la broche. Là. Je vais l'attacher aussi fort que je peux. Je veux que les Sabres fassent les séries. Ça fait les, les Sabres, là, c'est pas une équipe qui a fait les séries beaucoup là, dans les dernières années. Est-ce que je me trompe? La dernière fois que les Sabres ont fait les séries Eloi, je suis catégorique là-dessus que je, je suis convaincu tu n'avais même pas eu la puberté encore. À moins que tu aies été même, euh, c est, c est vraiment pas, précoce. Je, 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 pas, ça ne fait pas si longtemps que j'ai eu la liberté. Les, les Sabres de Buffalo ont participé aux séries pour la dernière fois, la dernière année d'existence bah. des Trashers d'Atlanta. 2010-2011. C'est ça que j'allais dire, 2008. Euh, les ouais. Sabres n'ont pas fait les séries depuis donc, que les Jets existent. Ça te donne une idée? J'aimerais ça voir les Sabres. Je ne peux pas croire que je dis ça. J'aimerais voir les Sabres faire les séries. J'aimerais vraiment voir les Sabres faire les séries et je vais aller plus loin. Je veux aussi que les, euh... je veux aussi que les Islanders restent en série. Ouais, c'est toi. Alors là, il y a deux possibilités. Une qui rendrait heureux panoplie de fans, dont toi à travers la Ligue nationale d'hockey, hockey, c'est que les Sabres remontent. Et ce sont le Lightning, le Tampa Bay qui se font tasser parce que insulaire et parce que j'aimerais quand même voir les insulaires en série, pour être bien honnête. Insulaire Patrick, et sabre. Ouais. ouais ok. C'est bizarre à dire parce que s'il y avait une organisation beige pour quelqu'un de mon génération ben, c'est la Lander. Moi, je trouve même Buffalo. On parlait d'organisation N.P.C. Moi, selon moi. Euh, ouais. Moi, c'est parce Buffalo, que Buffalo, c'est une Mais je là. comprends pourquoi de ton point de vue tu dis ça, mais pour moi, les Sabres. Ouais. Euh, c'est l'époque de Minkošek. Oui. Donc Pour ça, ouais, à... c'est weird. Là. Pour ils m'ont un peu intéressé ma... quand ils ont recruté Jack Eichel, mais à part ça, c'était pas... Pour quelqu'un de ma génération, là, quand tu penses à des organisations premium de la Ligue nationale de hockey, c'est tu sais qui? C'est les Red Wings de Détroit, c'est l'Avalanche du Colorado, c'est les Devils du New Jersey, c'est les Sables de Buffalo, puis c'est les Stars de Dallas. Parce que c'était les cinq formats. Ben, les Sables, étaient vraiment pas tant bons, c'est juste qu'à chaque, ça n'avait aucun sens. Parce qu'on pourrait rien qu'il gagner gagné deux trophées hard, puis je pense, pense, pense qu'il a gagné sept Vizina, en 8 ans, comme dans les années 90, euh, c'était comme les cinq formations puissantes de quand j'étais jeune. Donc, pour, je comprends pourquoi, là, maintenant, ils sont tellement rendus moribonds. On dirait que j'ai quand même encore de la misère à okay. considérer les sabres comme une organisation moribonde à cause de ça. Bref, je serais donc bien content pour les sabres qui rentrent en série. Mais moi, c'est pas. Je vous avoue humblement, je l'ai dit, moi, j'ai rien contre le Lightning. Puis le Lightning, ça demeure une équipe excitante à voir jouer. Donc, moi, ce que je veux, là, je veux que les Islanders aillent tasser les Flyers. De là. Puis je veux que les Flyers sortent des séries et que les Sabres entrent en série. Ah, que ça serait le fun. Maudit que j'aimerais ça. Je serais content pour les Sabres de Buffalo. Ça serait assez drôle. Steven dit Écarte pas mes caps, Max. Je suis vraiment désolé, Steven, tes caps sont écartés depuis le jour 1. Il n'y a pas une équipe en qui je crois moins que les. Puis je dis pas ça avec plaisir. Parce que moi, je voudrais voir les caps et les pingouins en série. Je, je, je veux Alex Ovechkin et Sid en série. Je, je, je les veux en série. Mais les Caps, c'est la pire équipe de la ligue à ne pas être allé dans pire équipe de l'année. La de, de ils sont moins 31. Je comprends pas comment ils gagnent des matchs de temps à autre et ils se maintiennent là où ils sont. Mais il n'y a pas une seconde dans l'année où j'ai cru que les, les Caps allaient faire les séries. Pas une. Ils seraient en série la veille des séries. Puis je serais convaincu que non non, ils vont perdre ce soir. L'autre équipe faut devancent, avance, vont devancer. Ça, ça va être réglé. Je ne crois pas aux Caps. Je suis désolé. Aucune chance que les Caps fassent la série, à mon humble avis. Mais là on a une course dans l'Est. Mais non seulement, on a une course dans l'Est et l'Ouest que je n'ai pas prévu. Il y a une semaine de ça, j'avais fait le deuil. Revenu d'entre les morts comme dans un clip de thriller de Michael Jackson dans l'Ouest. Dans l'Ouest. Mené par mon joueur de hockey préféré Flower qui soudainement est en train de devenir le numéro 1 pour le Wild. Une autre victoire hier pour Marc-André Fleury. Le Wild du Minnesota est maintenant à 4 points des Golden Knights de Vegas. Et là, Éloi, je crois au karma d'envie. Non. Je crois au karma d'envie. C'est pas ça. J'y crois, Éloi. Aucune chance. J'y crois. Hein? j'y crois. Je sais ce que tu vas dire. J'y crois. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Les Golden Knights ne se font pas ici. Ils vont se faire tasser par le Wild du Minnesota. <laughs> Mais non. Let's go Mais non. Oui Mais non. Pourquoi pas Mais là, on parle quand même d'une équipe qui est dans la finale de la Coupe l'an passé une très 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 belle saison je, je puis le dire. wild aussi là mais crime je peux je peux -tu me permettre un commentaire éditorial vas-y ou plutôt une question te souviens-tu qui a fait la finale de la coupe en 2021 puis qui a carrément fini dernier l'année d'après ouais non mais là c'est euh... pas les mêmes paramètres non, je, sais, je, je sais je dire que ça se peut ça se peut mais les hurricanes pas... ont gagné la coupe en 2003 euh... Non non excuse ils ont perdu en finale de la coupe contre les Red Wings en 2003 puis ils ont raté série l'année d'après et les Hurricanes ont gagné la coupe contre les Oilers en 2006 et ils ont raté les séries l'année d'après ça arrive Gagner la coupe raté série ça arrive ça arrive le Wild du Minnesota six victoires à leurs dix derniers matchs le Wild du Minnesota est maintenant à quatre petits points des Golden Knights de Vegas je ne croyais aucunement également même chose dans l'Ouest qu'à avoir une course aux séries au moins l'Ouest je trouvais ça excitant la bataille au positionnement, particulièrement dans la division centrale. Colorado, Stars, Jets, ça n'a aucun motus de bon sens. Mais là, le Wild, qui est comme là, bonjour, mené par Flower, le joueur de hockey le plus sympathique de l'histoire du hockey. Check bien ça. Y a, y a... Dans la vie, là, dans la vie, c'est faux que les bons gars terminent toujours dernier. Et dans la vie, le karma, ça existe. Nous sommes le 15 mars 2024. Il est 10 h 35 minutes. Mais non. Vous aurez su ici en premier que les Golden Knights de Vegas, qui ont trois victoires seulement à leurs dix derniers matchs, vont périr, vont dégring dégringoler, et lors du dernier jour de la saison régulière, le Wild du Minnesota va passer devant eux. Il va entrer en série et les Golden Knights vont rater les séries. Au début de la semaine, on demandait les favoris des séries, puis tout le monde disait les Golden Knights, Max. C'est la preuve que dans la vie, hein, tout peut changer vite. Tout peut changer vite. Ce serait là, un cadeau ce serait Egan hey, j'ai vendu du rêve le monde embarque les gens aiment ça <laughs> ça serait le fun ah oh, ça serait le fun lunettes roses bah ben oui non, moi, je suis d'accord avec le non, 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 ou la fait ou les deux euh, Ben pas les deux mais entre les deux ou euh, complètement ailleurs c'est vraiment euh, comme vous voulez exact s'appelle Steve je pense que Ouais, bon, je pense. Je un, un pense, mais regarde, on n'assume rien ici. On n'assume absolument rien. Jeu blanc pour Marc-André Fleury hier face aux Ducks d'Anaheim. Puis j'aime le Wild. Je trouve que c'est une belle organisation de hockey, mais... Non, non, c'est un trop gros... Euh... C'est non. Là, oh. là t'as misé ta maison, ton cabanon sur le rouge, là, au casino, là, c'est ça que tu fais là. J'ai absolument rien misé. Une prédiction. C'est une prédiction. Le Wild du Minnesota va devancer les Golden Knights de Vegas au classement et ce sera jour de parade dans la note en direct. Je pense que si le Wild fait les séries, je m'achète un chandail de fleurie. J'achète pas de chandail dans la vie, je trouve que ça coûte trop cher, mais là, je pense que je le fais. Je pense que j'embarque. C'est combien Quelques centaines de dollars. Ben, je dire je t'en paye une partie. Mais ben, 10 dollars, c'est une partie. Fait que je peux te payer 10 dollars. Non, non. J'aimerais ça J'aimerais assez ça Je sais pas Je pense que je prendrais la, la version North Stars Le vert et jaune Subway Oui Oui il est beau ça là. Très beau Très 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 beau On s'arrête quelques instants Dans note en direct Au retour On s'en va parler Du CF Montréal Avec Sid Faux CF Montréal Contre Chicago Fire Demain Sur les zones de BPM Sport Svanout. Demain sur les ondes de BPM Sport, 14h avant match 13h30, CF Montréal contre Chicago Fire. Il est l'analyste des matchs du CF Montréal sur les ondes de BPM Sport. Sidney Fowl, comment vas-tu? Ça va être très très bien, Max et toi? Ça va bien, ça va très très bien. Sid, après des rencontres euh, où les émotions sont. Euh, élevés, sont peut-être à un niveau plus, euh, plus remonté qu'à l'habitude, ce qui peut avoir été le cas après avoir battu une grosse formation comme Inter Miami la semaine dernière, même sans Messi. Hâte de voir comment Laurent Courtois est capable de garder le principe de never too high, never too low envers ses joueurs en fin de semaine et voir si on peut encore une fois avoir un gros début de match demain contre Chicago Fire comme on le fait depuis le début de la saison pour Montréal. Et c'est ça l'enjeu parce que c'est pas ronflant, c'est c'est pas glamour, c'est une équipe qui va pas très bien. Donc euh, là, avec la confiance accumulée et euh, et, et tous les éléments positifs qui a autour du club, tu donnes le sentiment euh, peut-être de d'avoir déjà joué le match avant qu'il qu'il ait lieu. Et euh, et finalement, euh, Chicago a tout l'air du match piège pour euh, Montréal, ouais. une équipe qui a qui a perdu deux de ses trois premiers matchs, qui est douzième en ce moment dans, au classement dans l'est, qui qui vraiment on le sait a, a souvent de de grandes difficultés et une équipe aussi qui, euh, qui, euh, qui t'aurait su bien, euh, plutôt bien, je te dirais. C'est pour ces raisons-là que je trouve que j'ai ai beaucoup aimé l'approche de Laurent Courtois en conférence de presse hier, où il a fait preuve d'extrême prudence, lui-même a parlé de match piège, euh, et de ne de, de pas non plus euh, être dans les excès côté euh, montréalais. Donc on reste toujours dans une démarche euh, de, de progression. Et, et j'ai bien aimé aussi des interventions, que ce soit de, de Mathieu Chouanière, de, de, de la Citer ou Waterman, tous tout ce qui sont présentés devant la presse durant les deux derniers jours, où il y avait beaucoup de d'humilité. De, aussi euh, par parmi ces euh, euh, joueurs Même s'ils reconnaissent euh, Que les, la, le début de saison est, est, est très prometteur Et la clé pour ça c'est d'arriver avec exactement Le même style de jeu qu'on l'a fait dans les premières rencontres Jusqu'ici Même si ça ne s'est pas concrétisé en début de match Lors de toutes les parties Les 10 premières minutes jusqu'ici De chaque match du CF Montréal Ont été J'allais dire excellentes bon, Honnêtement je pense pas que c'est exagéré d'aller là non, c'est je pense que ce qui a peut-être manqué à Orlando, c'est de c'est de pas conclure cet excellent dix euh, premières minutes, ce qu'ils ont su faire euh, à chaque, à chaque fois pour les pour les matchs qui suivent et avec les résultats positifs euh, que que l'on sait, euh, on a aussi pris conscience du gros temps faible qui arrive justement après euh, la, les, les très bons les très bons euh, des débuts de match. Donc ça aussi, il y, y a une forme d'équilibre à aller chercher côté Montréalais, mais tu vas euh, au, 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 au Soldier Field euh, attaquer de plein front, enfin, euh, Seagos, Salkit, qui vont vraiment très mal en défense centrale. Euh, je pense que tu peux encore une fois euh, t'inscrire au tableau d'affichage dès les 20 premières minutes côté Montréal. Et je crois que ce sera encore une fois le, le, le plan. Euh, Peut-être, comme je dis, avec l'équilibre de ne pas non plus laisser trop de force dans, dans, dans cette première portion de la bataille. Parce qu'à chaque fois, Montréal a plongé. Et, euh, et, et contre Miami, notamment, ça aurait pu faire mal. Euh, un détail qui euh, en dit quand même beaucoup, je crois, depuis le début de la saison, on fait prendre beaucoup plus de fautes à l'adversaire qu'en euh, 2023. On avait terminé au 22e rang l'an dernier pour euh, le nombre de fautes qu'on faisait prendre à l'adversaire et au moment où on se parle, le CF Montréal est au 6e rang de la MLS c'est un style qui est beaucoup plus agressif aussi euh, du côté de Montréal on provoque beaucoup plus euh, ballon au pied t'as des joueurs comme comme tu t'as des joueurs comme tu euh, t'as des joueurs aussi qui sont un peu plus à l'aise techniquement et avec beaucoup plus de caractère comme comme un, un Mathieu euh, Chouanière, mais cette expérience là elle se voit aussi à différents niveaux parce que parfois ce sont des fautes que font subir les défenseurs lorsqu'ils protègent des ballons et ils ils ont beaucoup plus de de de, de vice je te dirais et de justement d'expérience et donc pour ces raisons là ben, Montréal contrôle mieux le tempo face à Dallas c'était l'exemple le, le, le plus frappant. Dallas n'a jamais su re rentrer dans le match, même s'il y avait un fameux temps faible, parce que physiquement, euh, on, avait, on avait pêché un peu côté montréalais. Dallas, parce que le match était très très haché, n'a jamais réussi sur une, une période à, de, comme plusieurs, de, de plusieurs minutes à vraiment trouver une, une forme de momentum, parce que Montréal attirer les, les, les fautes. Ils ont de plus en plus une façon de protéger le ballon, une façon d'attaquer l'adversaire. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que si tu contrôles ça, tu contrôles aussi soit le rythme du jeu. Et après, une forme de frustration qui, 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 qui s'installe, manque de, de lucidité du côté de l'adversaire. Donc tout ça, c'est un côté très positif. Ça montre que tu es capable d'être dans la face de, de, de ton adversaire. Trois matchs, trois trios offensifs différents pour le CF Montréal. Bon, bien sûr, Mahala Opoku, il ne jouera pas en fin de semaine. Est-ce que tu penses que le trio offensif du dernier match de Bryce Duke, euh, également de euh, Jules-Anthony Vilsin et Mathias Coccaro, est reconduit? Est-ce que tu penses que Dominique Yankov fait peut-être son retour dans l'alignement partant demain? Ouais, c'est un, bon, un bon point, une bonne observation. Max, euh, pour le coup, on avait quand même pas mal de commentaires sur euh, la performance de, 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 de Vilsain qui euh, a été, euh, été remplacé en, en cours de match, qui peut-être euh, a aussi le, le besoin d'alterner de, entre euh, des titularisations et euh, des, des, des matchs où, où, où il sort du banc pour arriver à trouver ce rythme-là d'un titulaire indiscutable euh, en MLS. Du côté de Bryce Duke, on a tout de même bien fait en, dans… dans, la, dans, dans en fin plus en plus en fin de match on, on a l'impression qu'il est qu'il est un peu monté en puissance du côté de, de Duke mais les deux qui viennent changer complètement la donne c'est évidemment Martinez et Yankov euh, il, quand ils rentrent ils rentre sur le terrain c est, c est, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène pour le pour le pour Montréal donc je crois vraiment qu'on va encore encore une fois voir un quatrième trio différent en quatre matchs pour Montréal Hum, intéressant, définitivement intéressant à surveiller. Euh, le CF Montréal, c'est dans ce moment qui est avec euh, un, un groupe d'équipes au sommet de l'association de l'Est en MLS. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on aime faire à Montréal, c'est regarder. Est-ce qu'on a du respect? à travers <laughs> la, la ligue. On a quand même fait un bon place au club. Non, mais on aime ça. on C'est wow. un des jeux favoris, ça. Com la recherche du respect. Comment, 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 on, comment on, on parle de nous à l'extérieur de Montréal? Est-ce qu'on nous respecte? Montréal, présentement, bon, officiellement, sur le site de la MLS, pointe au deuxième rang, euh, habituellement dans le sport, en saison. Euh, Lorsqu'une équipe a des matchs en main et le même nombre de points qu'une autre équipe, on les place devant. Mais là, bon, ne tombons pas dans les théories du complot pour mettre Miami devant pour que les gens les voient plus rapidement sur un site. Hein? Impossible que ça arrive. Ceci étant dit, Montréal avec 7 points. Euh, tu as 5, 5 formations dans l'Est qui sont là. Et Montréal est toujours à l'extérieur du top 10 des euh, power rankings de la MLS. Mais on a quand même fait un bond de 10 places là, au classement. Euh, moi, personnellement, je ne tombe pas des nus. Je veux dire, il y a beaucoup d'équipes qui ont des bons débuts de saison. Par contre, il faut dire, Montréal est la seule équipe qui n'a pas encore un seul match à domicile de jouer cette saison. Et ces points-là, on le dit en début de semaine, on va le répéter, un verdict nul en fin de semaine et Montréal est assuré du même nombre de points de tout 2023 sur la route. Une victoire, ce serait déjà mieux. Moi, au-delà des choses, c'est vraiment le fait qu'on on a la fiche actuelle sur les terrains adverses qui est particulièrement pour, impressionnant pour le CF Montréal et qui mérite, à mon avis, du respect à travers la MLS. Officiellement, donc, Morel est, est, est quatrième là, dans, dans, au classement général et effectivement dixième dans les power rankings de, de la MLS. Euh, tu fais bien aussi de rappeler qu'il y a un paquet d'équipes qui se retrouvent à 7 points en ce moment. Il y a environ 7 à 8 équipes qui ont 7 points. Donc, c'est pas si choquant lorsque tu vas analyser euh, à chaque fois la, la, la force des adversaires. Donc, on, on, peut, on peut aussi qualifier l'importance d'une victoire selon, euh, selon la force de l'adversaire la, et pour toutes ces raisons euh, aussi parce que si tu te projettes sur les prochains matchs il y en a qui ont plus de chances de, de maintenir la tendance que d'autres on ne va pas se cacher non plus que très globalement si on, a, on avait dit que Montréal aurait 7 points sur les 6 matchs à l'extérieur tout le monde aurait signé donc même si euh, Waterman n'a pas aimé l'expression c'est du bonus à partir de, de maintenant il y a quand même cette, ce paramètre à prendre en considération mais c'est vrai que euh, les power rankings euh, de la MLS euh, ont plutôt tendance à mettre un peu le verre à moitié vide côté euh, Montréal sans ton comme dans, dans dans quelconque théorie de quoi que ce soit c'est plutôt parce que bah, d'expérience euh, voir le, le verre à moitié vide euh, est plutôt genre, comme euh, factuel côté euh, montréalais on doit s'installer dans dans, dans, dans l'excellence on doit s'installer dans la victoire pour avoir le bénéfice du doute qu'on est capable de, à chaque fois lorsqu'on fait quelque chose de bien d'être en mesure de le, de, de le continuer donc moi alors, en lisant le, le texte justement de, qui était associé au, au club au-delà du classement je trouve que c'était un texte qui était assez qui était qui était, qui était, qui était juste qui était des même bienveillants, drôle avec une mention de la moustache de, de Cocaro. Donc je <laughs> m'en fais pas plus que ça. J'ai l'impression qu'on a un bon, on a un bon regard sur euh, sur Montréal et ça peut, ça risque de basculer en cas de victoire contre Chicago. Je serais pas surpris que Montréal euh, craque le top 5 de ce de de, de ces power rankings. Qui valent, ce qui valent. Hein. Enfin, faut, faut pas me faire me faire dire ce qu'on n'a pas dit. Là. On, sait, on sait ce que c'est juste hein, des classements de tendance et, et, et ouais. autres qui nous, permet, qui nous permettent de jaser avec le vrai classement. On sait, on sait que c'est ça qui compte. Attention, on n'est pas on n'est <laughs> pas on n'est pas déconnecté sur les auditeurs. On parlait de match-piège contre Chicago. Nous, on a le droit de le dire. Mais bon, comme tu dis, euh, ils ont euh, les autres aussi mentionnés. Euh, les joueurs, je veux dire, ont aussi mentionné qu'il s'agissait d'un match-piège. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire... Parce que moi, je vais être honnête avec toi, Cyd. Quand j'avais regardé le calendrier au début de l'année, je me disais, bon, le match qu'il faudrait gagner, c'est celui à Chicago. Um, oui, hein! <laughs> ben pour vrai! Fait c'est pour ça que tu sais, on dirait que... Je sais pas toi, moi on dirait que je le dis du bout des lèvres, de disant bah, là, celle-là, t'as pas le droit de le perdre, tu sais. Mais, le, mais, le mais de saison mais, est tellement bon, c'est moins catastrophique de le perdre. Mais en même temps, moi c'est celui-là que j'avais identifié entre guillemets comme le match où le CF est entre guillemets, le, je le répète, favori. Mais c'est exactement ça. C'est Avant, lorsque tu projetais, par exemple, le, le nombre de points que tu pensais que Montréal pouvait obtenir, nécessairement, tu te tu, tu disais, OK. Même si on, la, la, le début de saison commence difficilement, parce que Orlando, bah, c'était les deuxièmes dans, dans l'Est l'an dernier. Dallas n'avait jamais gagné. Et puis Miami, euh, hein, Miami. <laughs> Donc là, pour le coup, euh, tu te dis, bah, Orlando, c'est trois points qu'il faut aller absolument chercher. Maintenant que as, tu arrives avec ce début de saison qui est très bien réussi, tu te dis, hmm, là, si les trois points, tu les as pas, il eh ben, y a une forme de déception que, que, tu, que, tu, que nécessairement tu, tu vas avoir. Donc euh, oui, c'est un match piège parce que tout le monde s'attend à ce que Montréal aille chercher des points euh, à à Chicago, et c'est peut-être la première fois que Montréal est dans cette configuration-là. Parce que, à chaque fois, dans les trois derniers matchs, pour des raisons différentes, si Montréal ne l'avait pas emporté, ce n'aurait pas été choquant on serait plus concentré sur le, sur le contenu qu'autre chose. CF Montréal contre Chicago Fire, c'est demain, 14h. Notez bien l'heure. Rencontre d'après-midi pour Max, le CF Montréal. Max, rapid fire. Tirage euh, euh, de, de, de la Ligue des Champions. Euh, comme les quarts de, quart de finale ont été, euh, été nommés. Euh, Real, City, euh, Paris Saint-Germain, Barcelone, Atletico, Dortmund et euh, Bayern, Arsenal. Donc, c'est ce le plateau pour la Ligue des Champions. Ce sera environ euh, la deuxième semaine d'avril euh, que, ce, ce, que joueront les quarts de finale. Ouais, et j'ai envie d'encourager Arsenal, mais j'espère juste qu'ils porteront pas le catastrophe strophique chandail qu'il porte récemment. Là, cette couleur me me, oh, me donne des cauchemars. Sid, on se reparle demain. Merci merci. Salutations. Sidney Fawo. On des matchs du CF Montréal sur les ondes de BPM Sport. 13h30 émission d'avant match. Au retour, à mon gosse. Mais pour le moment, les manchettes. Hugo Rège. Deux matchs dans la NHL aujourd'hui. Les Ducks seront des visiteurs à Winnipeg et les Kings affrontent les Blackhawks à Chicago. Doug Armstrong sera à la tête de l'équipe canadienne en vue des Olympiques. Il a fait partie du groupe de direction en 2010 et 2014 alors que le Canada a remporté lors de tournois consécutifs. Il a mené la Coupe Stanley au Blues de Saint Louis en 2019. Pour ce le défenseur du CF Montréal, George Campbell, a été sélectionné par l'équipe nationale américaine U23 en vue de la prochaine fenêtre internationale du 18 au 26 mars prochain. Le Rocket de Laval est en action ce soir du côté de la place Belle face aux Islanders de Bridgeport. Ne manquez pas l'avant-match sur nos ondes dès 18h30 avec Anthony Marcotte. L'équipe a d'ailleurs annoncé que la saison de Xavier Simoneau est terminée à la suite d'une opération à l'épaule. Jordan Dumais a été suspendu cinq matchs par les Moussettes Halifax pour un incident hors glace et compte 47 points en 21 matchs cette saison. Dans la NFL, Keenan Allen est échangé aux Bears de Chicago. En retour, justement, les Bears cèdent un choix de quatrième tour aux Chargers. Et finalement, dans le baseball majeur, le receveur des Blue Jays de Toronto, Danny Jansen, ratera au moins deux semaines d'activité en raison d'une blessure au poignet. En direct de la Grise, avenue Laurier à Montréal, diffusé sur les ondes du 91.9 au 100.9 à Québec, 96.5 à Gatineau, 11h pile dans la note en direct avec vous pour encore une heure jusqu'à l'arrivée de l'arac Gonzalez. Et dans la prochaine heure, vos appels au 514-790-0919. Pour le moment, hmm, c'est le temps de débattre des vraies affaires, c'est le temps de débattre sérieusement, sauf pour une personne qui sera l'intrus parmi nous. Ah! Oh! Gardez-moi la face de suspect des bénard encore. <laughs> non, 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 c'est euh... Non, je vais dire juste non. Je vais dire juste non. Juste non. Je vais déposer juste mon non. vote tout de suite. Ouais, c'est fixe. C'est fixe, hein. Ouais. Hugo Rage, bonjour. Salut Max. C'est fixe, bonjour. Salut, salut. Anthony dézonier bonjour. Bonjour. Ça, c'est un bonjour suspicieux. <rire> bon, <rire> la grande affaire. <laughs> Anto a fait semblant d'être un peu dans le jus à matin. Mm. Moi, je pense que c'était pour mieux préparer son acte de suspect et de et d'intrus, plutôt, devrais-je dire. Messieurs, je vais vous envoyer les sujets du jour. Je rappelle à tous que vous allez pouvoir voter. Pour l'intrus sur la message texte au 514-790-0919 FX, Anto et Hugo font débattre de vrais sujets sportifs Par contre, un d'entre eux ne défendra pas sa vraie position Et en début d'émission, messieurs, j'étais insulté J'étais insulté parce qu'hier, j'étais au Centre Bell Et j'ai fait un constat Un chandail sur trois, bien comme faux. Estimation, je ne vais pas calculer pour elle. Et as un chandail du Boston Ça l'a chanté, ça l'a hurlé de, de joie hier Quand le Boston a marqué le but vainqueur en prolongation Anthony Desonniers, c'est une insulte, c'est un scandale, c'est un wake-up call pour l'organisation, ça ne peut pas arriver à Montréal. Quand même, honnêtement. Euh, dans une époque où est-ce qu'on dit que le Centre-Bel est une forteresse à travers la Ligue nationale de hockey, que c'est difficile pour les joueurs adverses de venir jouer à Montréal. J'ai trouvé ça quand même euh, insultant. Je regarde, je vais utiliser ce terme-là. J'ai trouvé ça insultant de boire. Autant de partisan des Browns au centre belge je comprends que le Canadien est dans une période de reconstruction, mais elle est où la fierté des partisans? Où est-ce qu'on veut encourager les joueurs, même dans l'adversité, même dans la défaite? Je pense que c'est important de s'assurer que le Centre-Belle est un endroit hostile pour l'adversaire, de voir qu'hier, les Bruins euh, nous ont battus sur la glace, mais nous ont aussi battus dans les gradins. Je te mentirais, je te disais que ça m'avait pas fait un petit quelque chose. FX Benard. Ah non, je suis pas d'accord. Ben voyons, je suis pas d'accord. Pas, pas de fierté. Non, j'ai de la fierté quand même, mais je suis pas d'accord. Les Browns, il y a quand même une, une certaine base de partisans des Browns quand même au Québec. Je suis pas d'accord avec cet effet-là. Quand le Canadien affronte les Maple Leafs au centre Bell, il y a un chandail sur quatre, peut-être, qui est un chandail des Maple Leafs. Il y a beaucoup de partisans des Leafs qui viennent à Montréal parce que Toronto-Montréal, c'est quand même assez proche. Je suis euh, mitigé par rapport à ça et je suis pas d'accord avec Anto parce que il euh, y a eu des répliques aussi de la part, de la, de la part des partisans du Canadien au long de la, tout au long de la rencontre. C'est certain que de voir un, un certain engouement sur le but gagnant des Bruins puis voir certains partisans crier dans les estrades, mais en même temps, c'est un match de rivalité entre le Canadien et les Bruins. Alors pour moi, il ne euh, faut pas faire un plat avec ça, à mon avis. Hugo? Moi je suis d'accord avec FX Ben voyons donc C'est la rivalité ah, ouais. Les, les là, jeunes cool. de nos jours Ont plus de fierté Ben non C'est la rivalité Ça vient nourrir intensité intérêt-là Entre les deux Cubs, équipes T'es fan des Cubs toi hein? Ouais C'est tu... qui le plus grand rival Des Cubs euh, Les Cards de Saint-Louis Je dirais Ou les Reds bateau. Fait, met... fait que mettons Que t'allais à une game Au Wrigley Field Ouais Pis t'arrives là Pis tu te rends compte Aïe hey, aïe hey, Ça chante pour Les Cards moi, ça ne viendrait pas te chercher. mais ben, c'est sûr ça vient me chercher, mais en tant que partisan, c'est quand même cool de voir une certaine rivalité dans les ah, bien Là C'est sûr qu'aux États-Unis, ça peut se balader et ça peut se battre souvent. Mais quand même, moi, je trouve que justement, ça vient, ça vient augmenter le niveau d'intensité. C'est comme si, euh, si on prend, mettons, le contexte où le Canadien va jouer, là, je vais pas dire en Floride parce qu'il n'y a pas de partisan des Panthers, ah, mais ouais. <rire> mettons, <rire> <rire> mettons Edmonton. Okay? C'est Hugo qui sort une joke de 2015. Ils ont des fans maintenant, les Panthers. Non, ouais, ouais, sont en ça s'en vient. Mettons Edmonton ou euh, Buffalo. On voit quand même beaucoup de chandelles du Canadien qui se retrouvent dans les arénas. C'est sûr que Buffalo aussi, la, la, la foule, des fois, peut laisser à désirer. Fait que je vais prendre Edmonton comme point. qu'il y a beaucoup de chandelles du Canadien en Alberta. Quand ah oui, le, le Canadien va voir les Oilers. Et je sais pas, ça, ça rajoute de la vie. Ça vient... Puis comme FX l'a dit, il y a beaucoup de fans des Bruins, des ex-partisans des Nordiques ou du monde qui aime juste pas le Canadien euh, qui vont se trouver une autre équipe. Et je trouve que ça vient, euh, ça vient un peu... Euh, Animer la flamme Où ça en va Le, le pire là-dedans C'est qu'il y en a Un de vous deux Qui pense réellement à ça <laughs> Ouais ben là C'est sûr Anto Si à chaque débat Tu vas utiliser cette phrase-là Un donné, Ça perd de la crédibilité <laughs> Mais quoi? Moi je la trouve Toujours pas... aussi bonne <rire> <rire> Ah mm -hmm. y -y -y. Oui Peu importe comment Ça se termine cette saison 2023-2024 Pour Petit Caden Il mérite une chance D'être un vrai gardien Numéro 2 l'an prochain ben, il mérite au moins d'être un des deux gardiens de but devant le filet. Pour moi, il n'y a, a pas à être étiqueté comme gardien numéro 2 et j'explique pourquoi. Et on a vu la performance cette semaine. Si Primo termine la, la saison en étant. Sensationnel devant le filet. Vous en qu'il peut être numéro non, non, hein. ben un moi Non, mais main main moi, j'aime la lutte devant le filet du Canadien. Mais je ne veux ouais, pas l'étiqueter tout de suite numéro 2. S'il peut nous prouver en, en fin de saison qu'il peut être à la hauteur des attentes. Ça n'a pas de bon sens. Oui, Montambo va garder un petit peu plus le filet, mais en même temps, si on débute la saison prochaine, le Canadien est ouais. dans une position où on, on veut le voir un peu plus euh, percé pour accéder aux séries éliminatoires et que c'est Primo qui obtient les, les, les matchs où il s'illustre le plus. ben Donnons-lui plus d'opportunités de se faire valoir devant le filet. Moi, je suis pour ça. La lutte devant le filet, je trouve ça sain. Faut que ça reste sain, évidemment, mais moi je suis. Écoute, je, je peux pas. Je veux pas étiqueter Kaylin Primo. Non, non. On a passé la semaine à le défendre dans le retour des sportifs. Et... Mais là, je veux juste assurer que je comprends bien. Là. Fait que toi, non seulement l'an prochain, t'es à l'aise avec Monty Primo, mais ouais. tu veux même pas étiqueter numéro... Primo de numéro 2. Tu veux le mettre égal à Monty? Attendons le début de la saison. Pourquoi il faut tout de suite l'étiqueter ah. comme gardien numéro 2 Attendons le début de, le, de la saison. Fait que toi, c'était pas une joke à matin quand tu m'as texté que t'étais un intrus. <laughs> non, c'était pas une blague. <laughs> Attendons. <laughs> On d'accord avec qui est fixe Non, ben non. Phew. Au contraire, Allez, au contraire. Ouais. Non, non. Kevin Primo a des croûtes à manger encore. Il le fait bien en ce moment et son, son, sa progression est très graduelle euh, de, de, de mieux en mieux. Mais non, tu peux pas, tu dois donner euh, euh, le rôle de numéro 1 à Montembeau. Il y a plus d'expérience aussi. Puis, mais, mais là, Primo mettons qu'il est fixe à ça là-dessus. Mais mettons qu'on revient à la question. Est-ce que tu signes un gardien cet été Non, Ou... non. Non, 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 non. Je fais confiance, je fais confiance mais... quand même au duo fait que Peu importe ce que Primo fait d'ici à la fin de l'année, il mérite au moins d'être numéro 1. Il reste... Oui. Hey, Attends, tu donnes combien de il départs à Primo d'ici la fin de la saison, il reste 16 matchs ça euh, avec Evan Primo. Moi, j'ai mis mes, euh, mes cartes sur table il y a de cela plusieurs euh, jours. C'est 1-1 euh, un, un entre les deux et même que j'aimerais bon. encore mieux du 2-2. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai la confiance J'ai confiance en Monty et je veux savoir qu'est-ce que j'ai de Primo parce que, voilà. contrairement à vous, les performances de Primo vont avoir un impact sur s'il si est numéro 2 l'an prochain. Mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est ce qu'Anthony Desauniers, lui, en pense. J'ai adoré cette question-là parce qu'honnêtement, j'étais hyper ambivalent et euh, j'ai été très indécis à répondre. Je pourrais défendre les deux positions, ce qui m'aide grandement dans mon je rôle d'imposteur. que j'ai pas de problème ça. avec les deux côtés. Euh, j'ai finalement penché pour le oui. Euh, j'ai penché pour le oui parce que je pense qu'il mérite sa chance. Il n'a pas une situation facile cette année dans un contexte de trois gardiens de but. Euh, il a joué une fois aux trois semaines. Il n'était pas toujours habillé. Parfois, il était sur la galerie de presse. Ça n'a vraiment pas été un contexte évident pour Kellen Primo. Euh, il aurait clairement passé plus de temps dans la Ligue américaine s'il n'avait pas eu à passer par le balatage cette année. Il fait bien dernièrement. Moi, je donne une chance. On n'a rien à perdre. Je ne pense pas que le Canadien, l'année prochaine, est aspirant à la Coupe Stanley. Donc, pourquoi lui donner une vraie chance de numéro 2 à Montréal pour commencer la saison? Alors, j'ai finalement dit oui. Fait que tout le monde est d'accord. Non, non, ben non, il pas d'accord. Non, mais il est, est d'accord au point de même pas juste le mettre numéro 2, il veut quasiment lui donner le numéro 1, Non, ben, mais ça n'a je... pas de bon sens. Mais ben, attends, 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 j'irai que Mon tambour est le numéro 1 pour moi, mais par contre, j'aime ce que je vois de Caitlin Primo, s'il peut maintenir ça puis en début de saison prochaine avoir ouais, ben, d'excellentes performances devant le filet. Ça pas dans une situation où on veut peut-être que le Canadien se qualifie en série même s'il est encore très tôt dans la reconstruction à mon avis. Mais ben, donnons-lui la chance peut-être de se prouver. On a, on a jonglé à trois gardiens de but toute la saison. On ne peut pas jongler à trois gardiens de but l'an prochain. là. c'est tu effectivement? Non, mais je, je, ça, ça. On a senti. On a euh, pensé. Tonalité un peu on a, on a... On a... On la... a pensé <laughs> la dernière année à critiquer ce ménage à trois devant le filet. <laughs> on peut-tu garder deux gardiens de but et voir ce qu'ils peuvent nous donner? C'est ça qu'on va faire. Mais voilà. Et... C'est ce qu'on va faire. Mais si tu vas chercher à garder numéro 2, ça ne veut pas dire qu'il y a un ménage à 3. C'est peut-être parce que tu as pas confiance en Kayden Puis que tu t'en es parti cet été. Mais pourquoi tu l'as gardé toute la saison au lieu de le mettre au balotage et avoir peur qu'il se fasse repêcher par une Mais pour formation On ne peut pas le perdre contre rien, justement. J'ai dit transiger. En avoir un retour sur investissement. Non, 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 non. Hugo, question pour toi. Oui, vas-y. Une victoire contre Chicago en fin de semaine et le CF Montréal doit déjà, après seulement 4 petits matchs, revoir à la hausse ses objectifs 2024 faire aussi bien que 2022 se, revient, se devient soudainement une réelle possibilité. Moi je pense que oui. Je pense qu'avec le CF bien, je pense que, que qu avec le CF a présenté depuis le début de la saison, tu dans les derniers débats, j'ai dit OK, l'identité est difficile, ça va être ça va être long avant de se trouver euh, trouver une aire d'aller. Finalement non, ça a été super rapide. Je pense que le CF euh, a vraiment une très bonne dynamique présentement et devrait définitivement revoir à la hausse ses objectifs pour 2024. Je pense qu'on devient vraiment une formation euh, je dirais pas prétendante, mais euh, sérieuse à considérer. Confiant, toi. Anto, t'es-tu aussi confiant? Oui, oui, je suis aussi confiant. Avec une victoire contre le Fire de Chicago en fin de semaine, euh, le CF Montréal se retrouvait déjà avec 10 points au classement. Écoute. Ce serait 10 points de plus que pareil, à pareille date l'année dernière sur les matchs sur la route. Il n'y a rien qui ne permet pas de croire en nos chances. Puis je suis un petit peu tanné qu'au Québec, par moment, on se contente de peu. Euh, tu sais, le ah, CF, il y a un à... commentaire sociologique sur notre propre Non, mais moi, je n'ai pas. Ce je veux dire, dans le sens que on, on est toujours en train de se dire Ah, oh, mais nous, on peut juste viser les séries. »« Ah, oh, mais nous, il faut se contenter de juste rénover. Le stade olympique. Tu sais, pourquoi ne pas voir plus grand On a un bon début de saison de voir les objectifs à la hausse. Il n'y a pas de problème avec mm -hmm. ça. Le CIF Montréal, j'aime bien ce qu'il démontre depuis le début de la saison. Max, c'est le mieux placé que euh, parmi tous nous pour en parler, mais c'est du soccer excitant. Donc oui, j'espère voir euh, des objectifs euh, rehaussés, puis pourquoi pas viser comme en 2022. J'espère que Benard va être la voix de la raison sur ce sujet-là. Non, je suis entièrement d'accord avec mes deux. Euh, ouais, non, c'est moi. Non, non, mais cette semaine? je ne sais pas. Super, si mais, mais c'est parce que pas si ouais, beau, pas si t'sais, t'sais, dans le club du matin, il parlait justement à euh, librette des power rankings de la MLS. Mais je pense que ça va être important pour le CF Montréal, même s'il arrive très tard dans la saison dans ces power rankings-là, de faire leur marque et prouver à tout le monde que, hey, on est vraiment une équipe sérieuse. Bref, c'est ça que je vais rajouter, vas-y FX. J'ai tellement l'air douteux, mais, mais oui, effectivement, puis... Ça va être difficile de de, de, de répéter ce qu'on a fait avec euh, Wilfried Nancy à sa dernière saison à Montréal parce que ça avait été une saison extraordinaire. Mais là, on débute l'année avec de grosses performances sur les terrains adverses. Max t'es T'es le mieux placé pour savoir à quel point c'est difficile d'aller chercher des points et des victoires sur les terrains adverses. On commence avec six matchs à l'étranger et après trois matchs, on a déjà sept points. On a battu la troupe de Lionel Messi. Oui, sans Messi, mais Jordi Alba et Sergio Busquets étaient quand même sur le terrain pour l'Inter Miami. Ça restait quand même une excellente formation. On est allé chercher une grosse victoire. Pour moi, le CF Montréal peut se permettre. Hey, on se disait en début de saison, ça va être difficile parce que c'est un nouvel entraîneur-chef. Il faut qu'il instaure un nouveau système de jeu. Et présentement, les attentes commencent de plus en plus à s'élever et je crois que cette équipe-là peut se permettre de rêver. Imagine si en fin de semaine contre Chicago, on est en mesure d'aller chercher une autre victoire, trois victoires en quatre matchs. C'est euh, sensationnel ce qui se passe avec le CF Montréal actuellement. Tu ne peux pas revoir tes objectifs à la hausse avant la fenêtre de transfert de l'été. Voyons, en MLS, il y a deux moments il y a le pré-fenêtre -tran de transfert d'été et le poste de fenêtre de transfert d'été. Ça devrait savoir ça, effectivement Non, non, mais, non. Mais, mais, non ça mais attends, bon tu sens. peux quand même, après quatre matchs, non, voir pas. que tes objectifs sont à la hausse avec tes mmh. performances sur les terrains adverses, là, non, ce pas. qui est vraiment impressionnant depuis le début de la saison. Non, pas. Vous êtes tous dans le champ, puis je suis complètement mêlé pour l'intrus. Je n'ai pas le choix de <laughs> dire avec un quatrième sujet pour m'aider. Anto! Convaincu, pas convaincu. Sidney Crosby finira sa carrière à Pittsburgh. J'adore aussi ce sujet-là parce que j'ai changé d'idée <laughs> dans les derniers jours. Euh, j'ai longtemps pensé que Sidney Crosby de par le fait qu'il avait gagné trois Coupes Stanley, que c'est l'emblème, que c'est le sauveur de la franchise des pingouins, se retirer en tant que pingouin. Mais dernièrement, on peut entendre à gauche puis à droite, il n'est pas content, il le fait savoir dans les médias, et il a encore du très bon hockey en lui. Son contrat vient à échéance pas cette année, mais à l'autre saison. Est-ce qu'on va vouloir monnayer Sidney Crosby, parce que du côté de bus on n'a vraiment rien qui s'en vient dans les filiales? Écoute, je pense sincèrement que Sidney Crosby va peut-être vouloir Miser sur lui pour qu'est-ce qu'il aime le mieux, pour avoir euh, une belle fin de carrière plutôt que de terminer en reconstruction, ce qui serait quand même dommage dans le contexte actuel que c'est probablement le meilleur joueur de sa génération. Enfin, une prise de position qui a de l'allure. Hugo. Alors moi, je suis d'accord avec Désault. Je pense aussi que pour une fois dans sa carrière, Sunny Crosby devra penser à lui et aller finir en beauté sa carrière. Et justement, comme, comme Désault l'a dit, Pittsburgh, là, ça, ça va aller de mal en pis. Pour le reste. Le Le reste... couple une couple d'années, une couple d'années. Je prolonge la coupe, c'est très important. Et fixe? Je vais reprendre ce que Patrice Bergeron nous a dit cette semaine en ondes. Il nous a dit « C'est la décision à Sid. Si Sid veut partir et obtenir du succès ailleurs pour remporter une dernière Coupe Stanley, ce sera sa décision au sein de cette organisation-là. » Et euh, je dois être du même avis que Hugo et euh, Anthony. Pour moi, Sid, je suis pas d'accord qu'il doit absolument terminer Mais sa vrai, carrière à Pittsburgh. Non. Et c'était mon opinion au début, par contre. Je me disais « Non, il doit terminer sa carrière à Pittsburgh pour tout ce qu'il a accompli. » Mais Sidney Crosby, c'est un compétiteur. Ce gars-là veut remporter peut-être une autre Coupe Stanley. Et pour moi, si ça passe par une autre formation que celle des pingouins qui sont en déroute totale, ben c'est Nick Crosby. La décision va lui appartenir au final. Alors, je suis, d'accord avec mes deux compacts. Aïe aïe, <laughs> j'ai mal à la tête. Je dois vous avouer que c'est la première fois depuis que nous faisons ce segment que j'ai aucune idée qui est l'intrus. Parce que vous avez été presque d'accord sur tout. Et c'est donc dire qu'il y a quelqu'un qui pense vraiment le contraire des deux autres, mais on sait pas c'est qui. Enfin, c'est qu'on n'a pas Anthony Dezogne devant nous pour savoir à quel point il est suspect présentement. <laughs> il est suspect avec <laughs> ses réponses de. Oh, mais ça aussi c'était un bon sujet. C'était un politicien. Oh là là. Hugo Reich, selon toi qui est l'intrus cette semaine? Je pense que Déso. Je pense que c'est Déso parce que son point sur la foule. Je pense que c'est le contraire. Je crois fortement qu'il tu penses à contre. Anthony Désonnier, qui est l'intrus selon toi? Moi je suis allé avec euh, FX. Euh, tu sais, des fois là, tu veux amplifier un mensonge tellement gros, <laughs> comme ça ça a l'air plus d'une vérité. C'est-à-dire qu'il considère Kayden Primo comme un gardien de but numéro 1 devant Montambo. <laughs> ça, ça non, ça ça pas hein, mais pas Pousse, mais c'est égal. Attends, j'ai pas dit que c'était un 1A. Ce que j'ai dit, c'est que si Primo débute la saison. Encore. Non, mais si Primo débute de bien de la saison, des meilleures performances que Montambo devant le filet. Il est encore jeune, Kayden Primo. C'est long le développement pour un gardien de but. Ce sera peut-être un partage des, des, des tâches rendues là à ce moment-là, mais voilà. Fix Bénard, même si c'est toi l'intrus, je vais quand même te demander un vote, s'il te plaît. Je <laughs> vais avec euh, Deso. Des aussi pour moi l'intrus pour la même raison euh, euh... que Hugo. Moi je, je pense honnêtement, je pensais que c'était des mais la longueur des réponses d'Effix aujourd'hui, qui avait l'air d'un gars qui se démenait comme un gars dans l'eau bénite, tout rouge. Me, me rend assez mêlé. Le problème, c'est que me mêle chaque semaine. C'est un schnapp, <laughs> Et là, je, je vais être honnête, je prends le risque d'être le seul à s'être fait berner cette semaine. C'est FX. C'est sûr que c'est FX qui est l'intrus cette semaine. Sur la messagerie texte, ça hésite entre FX et Anto, effectivement. Est-ce que Hugo nous a complètement bernés pour une deuxième semaine de suite? Pour une rare fois, Hugo s'est pas trompé dans ses mensonges cette semaine. Ben, J'ai pas été ça. politicien. Ça a été Anto cette semaine. Éloi Jean, démêle-moi s'il te plaît. Qui était l'intrus cette semaine? Je trouve que c'était votre meilleur game parce que moi aussi, si j'avais pas su de base ce l'intrus. <laughs> c'est lui qui a choisi puis il sait pas c'est ben, je J'étais mélangé d'un bout à l'autre. J'étais content d'avoir vos réponses avant, mais la personne que j'ai choisi comme intrus, c'était Anthony. Non! Non! Eh ouais. oh, oui! Bon eh ah, ah, oui, il a oui monsieur! Allez, allez ah, mon ouais. primo! Allez, mon primo! non, non. Ça, ça veut dire que tu penses ça pour vrai toi, Non, ma mais en fait, en fait ce que je dis c'est que je veux pas mettre d'étiquette sur les deux gardiens qui sont pour moi pas des gardiens numéro 1 de toute façon dans la Ligue nationale de Tu veux il est même pas imposteur enfin, poste Un tandem non, de mais deux tu numéro viens deux. dire qu'il peut peut-être être numéro 1 primo, mais pas un A, certainement pas. Il sera pas jamais dans les de la Ligue nationale de hockey qui est de primo. Mais je pense que ça je me suis mal exprimé sur le sujet, mais pour moi, je veux pas étiqueter aucun gardien de but de cette équipe-là parce que de toute façon, ce ne sont pas deux gardiens de but numéro 1A dans une formation de la Ligue nationale. Moi je suis juste content de savoir qu'il y a une personne ici autour de cette table qui réalise et qui ne revoit pas tout de suite à la hausse les attentes du CF Montréal <laughs> et c'est Anthony Désonnier. Mais non, mais non, pas du tout. Pas du tout en fait même, je te dirais Max. Je <laughs> viens de fâcher sur quelque chose, par contre. Tu penses que Sid finit sa carrière à Pittsburgh? Ouais. Oui, oui, je le pense pour vrai. Euh, ça n'a pas été. Euh, ça... J'ai été très indécis sur deux questions aujourd'hui, mais je pense que oui. Hein, et pour ce qu'il représente, puis on voit tellement plus de joueurs qui passent leur carrière au complet. Patrice Bergeron vient de le faire avec les Bruins. Crosby, j'ai de la misère à l'imaginer dans le chandail des Blues, de l'avalanche du Wow. Moi, je pense que Sidney Crosby, c'est un pingouin, puis je pense sincèrement qu'il va se retirer en tant <laughs> que pingouin de <laughs> Facebook. Mettons pas de contexte. Là. Moi, je pense que Sidney Crosby, <laughs> c'est un <rire> pingouin. <laughs> T'es pas sûr si c'est un compliment ou une insulte. Euh, Anthony Désaunier, bonne partie. FX, très mauvaise partie. Ah, merci, les gars. n'a pas de bon sens. Merci. On en m'a encore convaincu que c'était lui l'intrus. Et Hugo Reich, ben, une partie. Une partie. T'as juste, très très juste bien fait. T'as juste bien fait. Merci de votre participation sur la messagerie Tech. Salutations à tous ceux qui ont deviné que c'était euh, Anto, mais la messagerie texte, c'était de mon bord. Pense en majorité. Ben, c'était vraiment partagé en tantôt fixe, mais y a plus de gens qui pensaient que c'était FX avec ses moses de longues réponses. Il nous a tous bernés aujourd'hui. Messieurs, merci encore une fois de vous être prêtés à l'exercice. Ben, dites pas merci tous en même temps. Merci, Max, merci, Max, Max. Max, 11, les, les, les longues réponses, je vais les garder même quand je suis intrus. Là. Il n'y aura pas de différence. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est juste que tu vas être un peu plus rouge quand tu vas être l'intrus puis va Faire un peu plus. Aïe, aïe, aïe. <laughs> euh, merci, Anto. À la semaine prochaine. Yes. C'est Vanout en direct avec Max Vanout sur BPM Sport. J'ai mal à la tête. C'était bon, hein, cette semaine? J'ai vraiment mal à la tête. Je <laughs> suis vraiment fier de comment j'ai choisi ça. Ben là, je, ça n'a pas de bon sens. Il hein? était d'accord sur presque oui, tout. Oui, je sais. C'est débile. Ben, dans le En fait, il y avait quelqu'un qui était vraiment pas d'accord avec les autres sur presque tout. Fait que Ça a mis tout le monde d'accord sur monde tout. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens comment j'ai été mêlé. C'est rare que je peux, je peux faire ça. Waouh! Quel comédien ce FX dit son père, Jacques? Salutation à Jacques Bénard sur la message FX. FX. c'est un serpentard, là. C'est vrai qu'FX, c'est un serpentard. Il met des teintes dans ses réponses, même quand c'est pas lui. C'est... Il joue la game. Il joue... C'est un... C'est un acteur. C'est... Cet homme doit être populaire auprès de l'agent féminine. Ben oui, il est populaire Garantie. auprès de l'agent féminine. Beau sais... garçon, en plus. Je sais qu'il a une copine, et sa copine doit être très heureuse. Un bon garçon FX. Monsieur Bénard, sachez que vous avez élevé un bon garçon. 514-7900919. Je vous la pose à vous la question est-ce que le CF Montréal doit revoir à la hausse ses attentes à la suite de, euh, du début de calendrier? Et surtout, est-ce qu'une victoire pour vous confirme que le CF Montréal peut viser rien de moins que euh, un des rangs au sommet de l'association de l'Est cette saison? 514-7900919, mais également, je vous pose la question à vous aussi. Parce que j'ai beau, euh, moi depuis, depuis la semaine, je le dis, une des raisons pourquoi je veux voir Kalen Primo disputer beaucoup de matchs d'ici la fin de l'année, c'est que, faut que je sache s'il y a ça dans le corps avec numéro 2, ouais. ou s'il ne l'a pas. Est-ce que pour vous, c'est déjà réglé? Le Canadien, c'est deux gardiens. L'an prochain, c'est Kevin Primo, Samuel Montambeau. 514, 790, 0919. Vous êtes dans Vanot en direct. On vient avec quoi? Vos appels au retour. Merci d'être là tout le monde. 514-790-0919, vous êtes dans Vanout en direct. Merci d'être là, tout le monde. Salutations à Steven Moreau. J'adore le jeu de l'intrus. Vous êtes nombreux à apprécier le jeu de l'intrus. Et j'apprécie que vous appréciez le jeu de l'intrus. C'est une partie de plaisir chaque semaine, ce débat avec une personne qui ne défend pas ses réelles positions. Et il y a Julien également qui a vraiment trouvé la meilleure façon de définir comment FX joue. Il joue la game dans la game. Martin Saint-Louis apprécierait les performances d'Effix. Ça n'a pas de bon sens. C'est un mastermind. Oh, le... ouais, ouais. Il, on va retirer son chandail à l'été la... Il prend sa retraite? Il prend sa. Ben. Moi, je ne le laisse pas jouer plusieurs saisons de même, mais il va brûler la ligue. Ben, on l'envoie au vrai tricheur avec Guillaume Audoin. <laughs> Salutations à Guijaudouin. Il faudrait une fois inviter Guillaume. J'aimerais ça. Puis oui. moi je traverse de l'autre bord. Pour vrai, t'aimerais-tu ça faire euh, jouer de l'autre bord? Ben oui. <laughs> ah ah, je t'ai eu. Elle n'a pas vu venir celle-là. Ah oh, mon coquin, toi. Ah, wow <laughs> mmh. Non, mais. J'ai je, je réalisé après une, avoir répondu C'était une vraie question, mais je l'avais ouais, ouais, pensé fait, pour que ça fasse comme ça. T'as fait exprès. Ça n'a pas de bon sens. 514-7900919. Est-ce euh, que pour vous, il est... si le CF Montréal gagne en fin de semaine face à Chicago, il faut déjà revoir à la hausse les objectifs 2024? Et un, duet, un duo, Montambo, Primo, l'an prochain. Peu importe les performances. Mettons que Primo, malheureusement, l'année finit en couille. Il est numéro 2 l'an prochain ou pas? Autrement dit, c'est ça la question. C'est ça la question. 514-790-0919. Ça fait longtemps qu'on lui a pas reparlé. Arthur, comment vas-tu? Oui, Oups, Allô. Allô, ça va Oui, ça ben va lui, bien, toi, Arthur. Pas bien. Bien. Alors, euh, ben, oui, On t'entend pas, Arthur, malheureusement. Là, vous ne m'entendez pas non plus? Euh, essayons. Bon, essayons. Hein. Je vais sauter vite au sujet d'abord au cas ouais, où. Allons, allons au sujet au cas où. <laughs> ben, pour le CF, je ne suis pas énormément ça, mais c'est connu qu'après 3-4 matchs dans une saison, si tu réussis bien pour avoir toutes tes attentes. c'est bien connu. Je suis pas sûr si es sarcastique ou pas. 100% sarcastique. Ok, merci. <laughs> mais sinon, pour le duo l'année prochaine, ben, je trouve que c'est fascinant parce que les questions de ligne ouverte, tout le temps. Il y a tout le temps une petite partie. C'est ça qui est ça intéressant. Le monde peut penser duo dans le sens numéro un, numéro deux, ou peuvent penser duo juste ça va être ces deux-là qui vont gauler. Puis ça fait une grande différence parce que là, on n'est pas en train de dire que Primo, il est déjà été numéro deux et il est capable d'assumer ce rôle-là. On n'est même pas en train de dire que Montambeau, c'est sûr qu'il est capable à long terme d'assurer le rôle de numéro un. Mais ce qu'on dit, c'est l'année prochaine, les gars sous contrat, dans la situation actuelle du Canadien, bien, ça va être ces deux-là. gars -là. Ben oui, ça va être ces deux-là. gars C'est sûr puis tu joues une saison de primo numéro 2, puis tu vois ce qu'il y a dans le corps, puis à partir de là, tu prends des décisions pour euh, les prochaines étapes. Pour toi, c'est conv... pour toi, t'es es convaincu, c'est sûr que c'est ça? Ben, il nous reste des gros contrats à larguer. Il nous... On n'est pas prêts à faire une, un push. Là. Fait que ça sert à quoi de, de brûler du temps et de ne pas vraiment voir ce qu'il y a dans le corps? T'sais, même si jouait moitié-moitié, qu'il jouait 8 games il en joue 8 mauvaises, t'as comme pas aussi gros échantillon quand même. Là. Fait que, tu sais quoi, tu vas les changer pour un choix de 6 cet été, c'est sûr que tu le gardes, aucun choix. On n'est pas prêt à faire un gros move pour un gardien à moins qu'il y ait une opportunité mmh. incroyable qui se présente. Puis on se dit ok ça c'est notre goût de futur pour sûr. On a un très bon deuxième tambour, peut-être je pour un deuxième mais c'est pas grave. Mais s'il n'y a pas ça qui se passe, c'est sûr que c'est mon tandem l'année prochaine, aucun doute Intéressant. Merci pour ton appel Arthur. Comment vont les tomates Ben justement elles vont très bien. Je m'apprête à les transférer dans la serre. On aime ça. Salut Arthur. All right. Ciao. Ciao, ciao, à la prochaine. Arthur qui a une plantation de tomates. Ancestral. C'est bon, les tomates ancestrales. C'est de toute beauté en plus. Numéro inconnu sur la messagerie texte dit Max, j'échange primo, choix de deuxième ronde et un espoir B contre Merzlikins. Tu irais chercher Elvis Oh boy Je vais être honnête avec toi, mon cher numéro inconnu. Il y a quelques saisons, j'aimais beaucoup Elvis. L'étoile d'Elvis a pâli. Pas mal. Cette saison, Elvis, pour une deuxième saison de suite, est dans le négatif pour les buts sauvés. Il est moins pire que l'an passé. Il s'est ressaisi par rapport à l'an passé, mais l'an passé, il a été littéralement, selon à peu près toutes les statistiques, le pire gardien de la Ligue. C'était dur de faire pire. Et Elvis a demandé à être transigé, puis. Écoutez, je ne suis pas dans le vestiaire des manteaux bleus de Columbus. Ça a l'air que c'est un drôle de moineau, Elvis. Il ne serait pas le joueur le plus apprécié. Et je n'irai pas chercher Elvis personnellement pas du tout moi je suis pas contre l'idée si Primo fait pas le travail d'aller chercher un autre deuxième gardien pour l'an prochain pas du tout pas, 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 pas de ménage à trois là, mais un autre numéro deux mais moi je suis quand même vraiment d'accord avec Arthur qu'on a pour commencer la saison on a comme sans dire qu'on a pas le choix ah ben non as le choix c'est pas mal sûr que ça va être ça non non non, non. Moi, là dessus par contre je suis pas d'accord je veux dire tu peux signer un agent libre puis décider effectivement que Primo ben tu leur fais d'ailleurs tu peux faire ça est-ce que ça va arriver, c'est pas ce que je dis, mais ça peut être quelque chose qui arrive. Est-ce que c'est d'inclure Primo dans un package? Est-ce que c'est simplement accepter ce que tu peux avoir? Je ne le sais pas. Mais de là à dire que je suis sûr que ça arrive, pas certain. Pas certain du tout. Il y a quelqu'un qui demande si tomate est une allégorie comme dans How I Met Your Mother pour parler d'autre chose. Non, non, je parle bel et bien de tomate, euh, gable. Backflutter. Peu importe ce que ça veut dire, backflutter. J'avoue vraiment que je ne sais pas euh, c'est quoi un pack flotteur. Puis si Monty ne fait pas la job, tu fais quoi? Moi, j'ai confiance que Monty va faire la job. Donc, euh, voilà. Mais effectivement, euh, la question se pose. C'est, entre guillemets, un risque. Certains sont prêts à prendre le risque parce que, euh, comme quelqu'un l'a dit sur la messagerie texte, l'an prochain, dernière, dernière année dans le no man's land. Moi, j'aimerais ça que l'an prochain soit une première année à faire une course aux séries. Mais ça, tous les euh, opinions se valent là-dessus. 790 0919 Pat de Mirabel est au bout du fil. Comment ça va, Pat? Ça va bien, toi? Ça va bien. Beaucoup de bruit autour, mais on va faire avec. Ouais, mais je t'en ai trop. Ben, on est à la radio. <laughs> ok, c'est beau, Max. Hein, je, ben, je vais te parler de euh, Tandem l'année prochaine de Samuel Motambo et euh, de, de, de Jeune je l'appelle le jeune parce qu'il a du talent, hein, c'est clair, ce gars-là. Mais, euh, moi, si la fin de la saison, Max, là, je lui donnerais euh, un peu de temps pour vraiment voir ce qu'il y a d'intrigue, mais pas contre des petites équipes. Je veux le voir. Des bonnes euh, équipes. Des bonnes équipes. Là. Euh, comment est-ce qu'il se débrouille? Puis, l'année prochaine, j'ai aucun problème qu'on commence avec Primo là, puis euh, Motambo dans, dans les buts. Sauf que. Si on voit que l'année prochaine, ça fait patate et ça ne fonctionne pas, ben, je prendrais le, la chance de le Et j'aimerais ça, moi, voir quelqu'un arriver à Montréal pour euh, épauler euh, Samuel Montembeault. Parce que je pense que c Samuel Montembeault... Un vétéran? Montembeau. Donc un vétéran pour épauler Samuel Montembeault? Un vétéran? vétéran. Je verrais moi... Monsieur euh, Oh boy! Euh... Oui? Eh ben, c'est définitivement... Euh... Définitivement, une, une prise de position à chaud. Pat, merci pour ton appel. Merci, bye bye. Félicitations, bonne journée. C'est bien. Euh, 514-790-0919. Joe est au bout du fil. Comment ça va, Joe? Euh, salut, Max, comment ça va? Très bien, je t'écoute, Joe. Good. Ben, je vais bien être un grand fan de Primo, mais je crois que le Canadien ne bougera pas. Il n'y pas de nouvelle acquisition euh, pour cet été avec les gardiens. Je crois que. Ça va être notre gardien, euh, Primo et Montabau. Ça va être notre duo, je veux, je veux dire, puis euh, on va vivre avec jusqu'à. Euh, c'est ça. C'est. Euh, J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner après, mais pour l'instant, ça va être ça, notre duo. Puis je sais pas. On dirait que Primo, il, tu là, cette année, il me fait un peu mentir parce que il a trouvé vraiment instable avant, là, mais c'est ça. Donc, euh... Je t'écoute mon Joe puis euh, t'as l'air d'essayer de te convaincre toi-même. J'essaie <laughs> de me convaincre moi-même, en effet, oui. Mais mon tambour, je l'adore. Mais tu sais, j'ai hâte que. Moi, moi pour vrai, j'ai hâte qu'un gardien en particulier que j'aime beaucoup aller voir. Parce que je vais voir le Rocket assez souvent. Là. Mais il y a un coffre de bêche. Si un jour il peut, il peut arriver avec le Canadien, j'aimerais vraiment ça. Parce que un gardien pour vrai qu'il y a beaucoup de potentiel, je trouve. Ah ouais, hein, t'aimes beaucoup de bêches? Oui, vraiment de, de bêche, là, je sais pas si tu as vu. Où tu as assisté au match le dernier match contre Bridgeport, là. Mais mm -hmm. il était vraiment salut. Il t'a fait un salarié à un, 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 un moment donné en deux contre un. Là. De Bech, là, je sais qu'il est jeune, là, mais pour vrai. Je crois vraiment à son potentiel. Sa, sa progression beau. au sein de l'année a été quand même intéressante parce que les débuts de Debèche ouais. ont été rien de moins que catastrophiques, mais au fil de la saison, son amélioration est très intéressante. Après ça, est-ce oui, que l'an oui. prochain ça se poursuit Ça, j'ai hâte de voir parce qu'une des choses qui a été difficile pour Primo depuis son arrivée chez les pros, ça a été que il n'y a pas eu une progression. Une progression n'est pas obligée d'être constante, là, soyons honnêtes. Ceci étant dit, oui. euh, une, euh, une progression n'a pas été si marquée que ça chez Primo. Là, cette année, elle est intéressante elle est intéressante mais tu sais ça me faisait passé mon dieu à un gardien quand il est quand il était rentré dans la Ligue nationale je me rappelle de Malcolm Souban bien sûr quand il, quand il était rentré dans la Ligue nationale comment c'était horrible j'espère juste que si dommage il rentre un jour que ça fasse pas ça parce que il va le regretter d'avoir dit que je crois en son potentiel <laughs> ça nous arrive tous merci de ton appel Joe bien sûr mon gars salutations à la prochaine euh... Vous êtes nombreux sur la messagerie texte à envoyer toutes sortes de propositions pour des vétérans gardiens. Ça a commencé avec Elvis. Euh, Pat est allé avec Fleury. Moi, je pense que c'est la fin pour Fleury. Ça va me en faire beaucoup de peine. Je pense que c'est la fin pour Marc-André Fleury. Euh, surtout, je ne sais pas si lui euh, veut continuer euh, à se promener. Il est agent libre cet été. Dernière année d'un contrat de deux ans, 3.5 millions par année. Je serais définitivement pas contre. Mais si tu vas chercher un, un gardien agent libre, là, faut que tu transiges le primo. Il y en a qui disent vous transigez mon tambour. Wow, 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 wow. Il y a quelqu'un sur le message de texte qui propose John Gibson. Je vraiment surpris de celle-là. Euh, Rémi est au bout du fil. Quand ça va, mon chum Rémi? Salut mon Mac, comment ça va? Très bien. Dans quel coin aujourd'hui, Rémi? Normanville. Oui, Dramanville. J'ai habité là pendant six ans, c'est bien. Je savais pas que t'allais aussi loin que ça. Oui, ben c'est parce que... Je le... t'aurais écouté depuis bonne heure à matin, mais ici, là, le, le, le téléphone... Quand je, dans... je dépasse la... la sortie 170, ça fonctionne pas, Puis là, mon boss m'a criolé, puis j'écoutais tout le temps vous autres, là. <laughs> ça prend des gigues, là, il a pas aimé ça, fait qu'à 4 <laughs> Attends une minute. Tu t'es fait chicaner par ton patron parce que tu nous écoutes trop sur ton téléphone avec l'application? Oui, c'est marqué gratis. Moi, j'ai dit que c'est gratuit, mais. faut wow, wow, ah, wow, wow, wow. que tu payes. <laughs> ça, je pense que je vais envoyer ça à Chucky. Faut Il faut qu'il mette ça dans une promo. C'est du génie. Oui. Wow. On aime ça. Merci pour ce beau commentaire, Rémi. Je t'écoute. Ah, euh... Oui, moi, euh, Max là. Je pense qu'il faut arrêter de rêver pour le numéro un. Oubliez ça à Montréal. Les Carey Price, les Tatakawa, il n'y en aura plus. D'où, Jésus? C'est terminé. On ne paiera pas des gars. Pessimiste aujourd'hui, mon millions. Rémi? Hein? Pessimiste aujourd'hui? Ah non, non, non. Oubliez ça. Là, on a deux bons, là. Moi, le primo, là, il m'a surpris, la 4-0, là, avec 58 tirs, là. Fait que toi, Écoute, tu trouves déjà qu'on en a deux bons. Tu es convaincu? Oui, on en a deux bons. On va laisser les gars tranquilles. Avec des, des chats, là, de yaya à chaque barre, puis on voit pas. À blue bonnet, ils marchent direct en avant. Laissez-les marcher en avant. Oh, journalistes ah, ouais, deux, on fait des formalistes chaque barre. En white on se moque, ces deux-là. <laughs> As-tu dit des yaya à chaque barre? Oui, C'est quoi des yaya? <laughs> C'est des affaires que tu pour pas que les chevaux en gardent chaque barre, pour pas qu'ils voient les autres à côté. Là. Des œillères? Ouais, il y a d'autres autre non, mais moi, j'appelle ça des yaya. Là. <laughs> Ah, oh, Rémi, je t'adore! Ça va être dans le monteur. <laughs> oui, monsieur! Salut, mon Rémi! Hey, merci. Au revoir Et salutations à ton patron. Là, on. Faut que. Faut qu'on appelle le boss à Rémi. Faut laisser Rémi nous écouter, s'il vous plaît. Faudrait faire un cadeau à Rémi. Faudrait lui offrir des. Ça se fait-tu ça, envoyer des gigs à quelqu'un? Ça doit se fait, On peut pas croire. En 2024, faut pouvoir envoyer des gigs à quelqu'un. Faut envoyer des gigs à Rémi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, envoyons des gigs euh, De Rémi, on passe à Olivier. Comment ça va, Olivier? Hey, salut, Max, en forme? Yes, sir, je t'écoute, Olivier. Toi, t'as l'air en forme? Yes, sir, top shape. Je vois Écoute, ça. Euh, moi, je pense qu'avec les derniers matchs de Primo, on n'a pas le choix de lui donner un plus grand échantillon. Fait que pour l'instant, je pense qu'on n'a pas le choix d'opter pour lui l'an prochain avec Montambeau. OK. Euh, par contre, il reste quoi, à peu près 16 games? Euh, c'est sûr que c'est plate à dire, mais je te donnerai au moins un 7-8 là pour que tu démontres vraiment. Wow, wow, mais attends, attends, attends. pourquoi tu dis que c'est plate à dire? Euh, ben, c'est plate à dire dans le sens que je pense que Montambo, c'est le premier gardien, mais en même temps, il faut voir de quel point Primo, il chauffe. Là, ben sais, moi, euh... je suis 100 de ton bord sur celle-là. Je trouve pas ça plate à dire. Exact. Je pense que regarde, Primo, tu enlèves un troisième goulot de l'équation. On s'attend que ça fait une coupe de mois qu'il pratique à trois dans le net, il pratique. Il n'y a pas de confiance. Fait que là, tu enlèves l'autre goulou de l'équation, je pense que ça peut l'aise de donner un bon regain de confiance. Fait que je pense qu'on n'a pas le choix d'aller pour ce tandem-là. Mais tu sais, c'est un tandem qui va nous permettre de voir les séries, je penserais pas. Mais surtout avec l'équipe qu'on a. Fait que je pense que l'an prochain, faut pas s'attendre à être dans le milieu de peloton On le sans plus. Mais moi, honnêtement, je donnerais sa chance au tandem. j'ai hâte de voir la fin de saison. Là, surtout qu'on semble bien jouer contre les grosses équipes. Oui, effectivement. au moins les rencontres sont le fun. Exact. Et puis Max, tu t'aimes bien le tennis. Tu as vu le match versé vers le quarantième, le petit arrêt J'ai surtout vu les abeilles. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire à Mitsu de gérer sa sœur, s'il vous plaît Star is born, hein. Je sais pas si tu as vu le gars qui est allé en t-shirt, allé enlever ça. Un En aspirateur, puis tout, un méchant, un méchant. Une belle. Y a quelqu'un qui a pris un selfie avec. Ah, J'ai vu ça, puis euh, en tout cas, ça va faire un beau tandem, un beau match. Euh, là. Ça va être un duel de tout je pense Oui, monsieur. Hey, mon chum. Yes, sir. Hey, bonne journée, Max. Wow, à la prochaine. Bonne journée. J'adore Sam, mais je crois que Primo va lui chauffer les fesses. Malgré que je ne le voyais pas dans la Ligue nationale, nous dit Sylvie. Chauffer les fesses. Quelle fiche un deuxième doit avoir 500. Un bon deuxième, il faut que ça joue pour 500. Dans un très bon club, il faut que ça joue au-dessus de 500. Mais sinon, il faut que ton deuxième te joue pour 500. Il euh, y a Vincent sur la messagerie texte qui dit que si Rémi, son téléphone est avec Wiz, il peut lui donner 4 gigs par mois. Il faut mettre Vincent et Rémi en contact. Wiz Pas Fizz Wiz hein, C'est peut-être Fizz. Mais lui, Fiz. il écrit Wiz. Moi, hein, je suis avec fait... Fizz pour le réseau. J'allais dire, dire, moi, je connais pas Wiz, mais ça doit être Fizz. Il y a dû faire une erreur. Le W et le F sont pas tant proches sur le clavier, mais regarde. Peut-être fait fait un clavier d'une autre langue. J'ai fait, euh, pour aller au Canadien, il a fallu que j'envoie le nom de ma blonde. Hein Soit sa petite passe. C'est pas trompé dans le nom de ta blonde. Il y a une faute dans son nom. C'est moi qui ai fait la faute en l'envoyant. Mais voyons. J'ai fait une faute de frappe. tas tu plus qu'une blonde en même temps? l'OA, s'il te plaît. Non, mais là, c'est trompé. Ça fait quand même longtemps que tu es avec ta copine. J'ai mis un S à son nom. Je m'en suis jamais rendu compte. Son prénom? Ouais. J'ai mis un S à la fin. Pourquoi? Je sais pas. Au pluriel. Alors, sous ça, était Et Puis là, j'ai dit, je t'avoue, une c'est ma faute. J'ai fait une faute dans le nom. Tout le long de la soirée, elle envoyait ça à tous ses amis. « Hey, regarde, ma faute. Quel mauvais chum. Ça n'a pas de bon sens. GF, comment ça va, GF? Ça va bien, merci pour mon appel. Ben, ça euh, fait plaisir. Merci gardiens, à toi euh, d'appeler, GF. Pardon? Merci à toi d'appeler, GF. Ah, ça me fait Pour les gardiens, euh, l'année prochaine, en fait, euh, je pense à ça, là, un gardien maintenant dans la Ligue nationale, c'est quoi? C'est 27, 26 27 ans avant que ça frappe leur prime. Ben, ça dépend pour qui, mais règle générale, c'est plus long pour un gardien. Ouais, fait que, tu sais, de, de, de débarrasser de Primo à cet âge-là, pas sûr, tu sais, c'est ce qui est arrivé avec Montembeau, tout le monde s'en est débar ben, pas débarrassé, là, je sais qu'il y avait plus de place à, en Floride, mais si, si tu lâches sur un gardien trop tôt, tu vas finir par le regretter. Si tu regardes Jake Cottinger, il a pris un bout pour arriver dans la ligue, là, c'est un des meilleurs gardiens. Que, euh, moi, ben, la... je, je dois me mal. Sur celle-là, par contre, je suis d'accord pour que les gardiens, ça prend du temps, mais. Jake Ottinger dans ses dernières années est un exemple de gardien qui est arrivé assez tôt dans la Ligue nationale de hockey. Là. Il a 25 ans, puis c'est déjà sa comme 3 ou 4e saison complète. Ah, c'est possible, mais en tout cas, il y, y en a pas mal qui sont. Oui, ouais, non, mais c'est ça, sont... règle générale, tu sais, André Vasilevski, euh, Chesterkin, Sorokin, Connor Hellebuck, Yusé Saros, des gardiens qui arrivent tôt, c'est rare. Des Carey Price à 20 ans, il y a eu Carter Hart, Puis bon, là évidemment, pour d'autres raisons, ça, ça a pris barre. Mais même à ça, ça a été okay. difficile, même pour lui. Oui, ça a été difficile pour lui. Puis que tu regardes Swayman, euh, Swayman, ça a pris un bout. Aiden Hill, ça a pris un bout. Fait que moi, euh, je te dirais que... Tu sais, il, bon, il était très, 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 très bon là, au, à, à l'université kévin Primo. Fait que moi, je lui donnerais le temps. Puis s'il si, peut être aussi bon que tambour dans, dans deux ou trois ans, mais le Canadien est correct. Ils vont être bien corrects. Bien correct. On aime ça. Merci pour ton appel. All right, salut. Salutations. Salutations. All right, salut. <laughs> vous êtes extrêmement nombreux à réagir à ce sujet sur la messagerie texte et je vous en remercie d'ailleurs. Euh, les gens continuent d'envoyer des idées, de, des façons de, de... Rémi, la semaine prochaine, rappelle, puis on va trouver une façon de t'envoyer des gigs. On veut que tu nous écoutes. On veut absolument que, que Rémi nous écoute. C'est très important. Ça va quelques instants. Au retour. Georges Gonzo. Vannout en direct. Avec Max Vanut sur BPM Sport. Gonzo, comment vas-tu? Ça va bien, Max, toi? Oui, ça va très bien. Est-ce que. T'as aimé ton match d'hier? Oui, bien aimé. Bien, ben, oh. J'ai pas aimé qu'il y ait autant de fans du Boston au centre belle Ça m'a irrité un peu. Mais ça bon. irrité. Bon, oui, ça m'a irrité. C'était comme ça, samedi contre Toronto également. C'était complètement fou. Mais, mais Le bol supérieur, c'était juste des Ontariens. Ouais. Ça, on dirait que ça me dérange. Moi, je m'y attendais plus. Ah ouais? Il y a beaucoup de fans de Boston au Québec? Est-ce que oui ça je le sais. Est-ce que George est à Edmonton aujourd'hui? Oui! Ouais. Ouais. Là où il est. Eh oui je, suis là, autres... je ah! suis là je suis là je hey, suis hey, là. George. Regarde tu vois on se voit à combat la lutte, il okay. débarque dans le match ah oh, ouais bien temps parler du diable et il va apparaître. C'est même branché. C'est le avant. diable. Ben, C'est toi, toi, le diable. C'est euh, ah je... même branché avant parce qu'il voulait, il je cravait sais. les prédictions. Et ben, là, si on trouve pas quelque chose samedi, on a un méchant problème. Ben, là, commençons quand même ce soir. Peut-être qu'il y a quelque chose Let's ce go. soir. Ben, là, ce soir, OK. Euh, qui gagne Jets ou Ducks <laughs> C'est une blague, <laughs> Qui gagne Kings ou les Blackhawks avec Soderblom? Les Blackhawks vont très bien, mais je prends les Kings. Bon, merci. Georges, je prends Winnipeg, je prends les Kings, tu prends qui alors, on, on, attends les, quel, quel match up tu parles là <laughs> Jets, Jets Ducks ce soir ouais. Jets Ducks chez les Jets, les Ducks ont joué oui, hier. Ouais, oui, exact. Bon, merci, c'est ça. On va prendre les Jets. Merci fait, merci. Gonzo, on peut tu maintenant passer à samedi parce ben, que tu oui. ouais, on va perdre 30 secondes. Quelle hein. belle rencontre de la Floride <laughs> demain entre les Panthers et le Lightning, c'est chez oh. le Light, de chez les Panthers, pardon. Gonzo. Hey, je bon, je Panthers demain. Panthers à la maison, Panthers vont rebondir. Lightning ont tout laissé hier sur la glace. Sam Bennett qui a raté la rencontre, hein? Mmh. Ouais, mais on a une belle profondeur quand même. Panthers aussi. George? Panthers. Oh. Oh. Samedi soir, ben oui, les là. Hurricanes de la Caroline qui s'en vont à Toronto à affronter les Maple Leafs. Là tu oh oui. Je pensais que tu un peu plus bas, là où Georges est. Je sais, mais attends, okay. attends, on va attendre. Uh, les Hurricanes à Toronto. Oui. Ah, j'ai aimé ça, Sof qui fait l'oiseau. Et tas tu vu la réaction de Brenamour dans le vestiaire euh, Non, j'ai vu Kuznetsov qui a presque pleuré, par exemple. Non, ah, tu vas voir, euh, Robert Brenamour, il dit euh, Cousy, I f-bomb hated that celebration. but I'm so glad that you're doing it here now. Wow. C'est quand même bon. Fait que Toronto ou Caroline euh, Marner joue pas, hein? Euh, a pas de confirmation, mais il ligne pour pas jouer. Il, il, il est blessé à la cheville. Ouais, ouais. c'est ça, ça, fait quelques rencontres qu'il pas qu'il va jouer. Moi non plus. Euh, c'est à Toronto, je... je vais prendre les Leafs. Je prends les Leafs aussi. Tu prends-tu les 15, Georges? Il réfléchit. Il réfléchit, hein? Ben fort. C'est rare qu'il prenne les 15. Je prends, je, prends, je, prends les, je prends les 15. Oh! Je pensais pas que. Ben, voyons, Georges. Non, non, mais écoute, hier. Je prends les 15. Hier. Je quand... prends les 15. 2006? 2006. Sais, 2006. Non, je prends les 15. Non, il joue pas. L'attaque de Carlin est explosive. Les livres la défensive, c'est pas la meilleure. Mathieu, ça va pas faire mal. L'absence de ça va pas faire mal. Puis, Kuznetsov, quand tu marques de même, boost de confiance de même son premier but avec son équipe. Euh, il va continuer de lancée Moi je pense que ça sera même pas sérieux. Oh, oh. est-ce que tu irais okay. jusqu'à utiliser un mot en V? Non, non, non. Je <laughs> pense pas que ça va être un match. Je pense que ça va être une victoire euh, <laughs> hey, J'étais sûr qu'on allait se rendre à Colorado Edmonton pour le match de samedi. Bah, honnêtement, moi aussi. Non. Je va pour la fin puis... J'étais sûr que Colorado Edmonton, genre c'est pas, pas un pari, là, juste par curiosité. Hey McKinnon McDavid euh, en fin de semaine. Uh, il, 14 L'affaire, la, la, les gars, l'autre affaire aussi, c'est que je voulais pas me prononcer sur ce match-là, fait que j'aimais mieux me prononcer sur Toronto. <laughs> Big, bon week-end, Edmonton, bon show, messieurs. Et euh, nous, on se retrouve Merci la semaine bien. prochaine pour une autre semaine de Vanout en direct. Euh, ça va être difficile contre les Flames pour les Canadiens en fin de semaine. On se reparle lundi. José Gonzo dans un instant. Deux matchs dans la LNH aujourd'hui. Les Ducks seront les visiteurs à Winnipeg et les Kings affrontent les Blackhawks à Chicago. Doug Armstrong sera à la tête de l'équipe canadienne en vue des Olympiques. Il a fait partie du groupe de direction en 2010 et 2014 alors que le Canada a remporté l'or lors de tournois consécutifs. Il a mené la Coupe Stanley aux Blues de Saint-Louis en 2019. Pour ce que le défenseur du CF Montréal, George Campbell, a été sélectionné par l'équipe nationale américaine U23 en vue de la prochaine fin de